thank you Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue pour le live spécial Quantum of Soleil sur 007 TV ce soir. Évidemment, il s'agit du report de la semaine précédente. On a eu des problématiques pour se connecter sur YouTube. On s'en excuse, peut-être à son coup du spectre ou de l'organisation Quantum, que sais-je. En tout cas, pour m'accompagner ce soir, j'ai avec moi Magali. Bienvenue à tout. À Également Yann qui est avec nous ce soir. Comment tu vas Bonsoir à tous, super bien, ravi de vous retrouver. Super. Euh, Jean-Jacques, bienvenue sur l'émission. Euh, merci de m'avoir invité. Je suis content d'être arrivé à l'heure. Bah, écoute, euh, on n'entendait en pas moins. Euh, Pierre, bonsoir Pierre, ça va bien Bonsoir. Je, je pense que tout le monde a compris a un petit peu le. Hein, le Voilà, oh, ouais, Exactement. Et également donc notre seigneurie José, bonsoir. J'espère que tu vas bien également. Bonsoir à tous bon. et à toutes. Bon, ce soir, spécial Quantum, mais tout d'abord, en préambule, euh, je souhaitais remercier, euh, vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose que je souhaitais faire ce soir, euh, toute l'équipe de 007 TV euh, qui participe de manière bénévole, je vous le rappelle, euh, déjà au succès de la chaîne. Et euh, je tiens à remercier également ceux qui ne sont pas là ce soir, donc notamment euh, Dominique, nous avons deux, Emmanuel, Lucas, nous avons Théo, pardon, pas Théo, mais euh, et également donc Julien Schouler. Euh, mais en particulier, celui que je voulais remercier ce soir, c'est euh, José mora Dubec qui nous accompagne euh, parce qu'effectivement, sans lui, en fait, on n'existerait pas euh, ce soir. Donc euh, très clairement, euh, voilà, je voulais prendre un petit moment pour le remercier euh, par rapport au, au, à tout le travail qui est en backstage que vous ne voyez pas forcément. Donc euh, je voulais te dire ce soir, José, merci de nous permettre de vivre notre passion. Euh, et de, de permettre à tout le monde d'avoir la parole sur cette chaîne. Donc, euh, donc voilà. Et effectivement, peu importe, on est tous complémentaires. Donc merci encore. Bah, juste, justement, euh, merci Owen pour ce, ce, cet hommage que tu me rends euh, ce soir. Mais justement, il n'y a pas que la chaîne YouTube. On ne le dira jamais assez. Il y a aussi, bon. Tu vas y revenir, les réseaux sociaux, mais il y a surtout aujourd'hui une, une entité qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est euh, le groupe Facebook. Euh, mine de rien, parce que quand je vois les, les scores qu'on fait au niveau des sondages, au niveau des commentaires, au niveau euh, des avis, des échanges qu'il y a, ben je me dis finalement qu'on est en train de recréer progressivement une, une nouvelle entité euh, consacrée à James Bond, naturellement 100% francophone. Euh, qui, euh, bah finalement où tout le monde finalement, arrive à communiquer ensemble sans forcément se prendre la tête, sans euh, rentrer dans des sujets polémiques, en ayant volontairement pris le parti de ne pas rentrer dans des commentaires de, euh, de tabloïdes, euh, de ne pas faire de politique, de ne pas évoquer des sujets qui peuvent être clivants, etc. Et ça a l'air de très bien fonctionner comme ça. Voilà ce que je voulais dire. Existe Et Et quand finalement... même. Excuse-moi. Oui. Je précise quand même que sur le groupe Facebook, nous avons malgré tout, euh, même si c'est francophone, nous avons une communauté internationale. Nous avons des membres du club allemand. Nous avons Raymond Benson, euh, qui est membre de, de, de notre groupe. Donc euh, voilà, on s'étend aussi à l'international, même si le groupe est francophone. D'accord. Tout à fait. Et naturellement, je souhaitais vous remercier à toutes et tous qui nous suivaient ce soir, qui nous suivaient en masse également, donc évidemment, sur le forum, sur les réseaux sociaux. Et également sans vous, on n'existerait pas. Donc merci encore de nous permettre euh, bah, de pouvoir partager notre passion. Euh, N'hésitez pas à commenter ce soir, évidemment, à poser vos questions, etc. On interagira avec vous avec un immense plaisir. Et puis, et ben, écoutez, je vous propose de démarrer l'émission. Alors, en pensez, une, une petite précision, je te coupe avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Bon, je vous rappelle naturellement nos réseaux sociaux, on vient d'en parler, Facebook, Instagram, TikTok, X, etc. Mais surtout, pensez que lors de la diffusion du replay, euh, qui a lieu en général à 10h le matin, euh, après la diffusion de la vidéo, il faut à peu près, euh, on va dire une petite demi-journée pour que YouTube puisse traiter le flux, euh, le flux vidéo. Pensez, ça ne vous coûte absolument rien. Pensez à envoyer des petits pouces, euh, des petits commentaires à droite, à gauche, simplement pour nous dire bonjour, etc. Ça nous aide au référencement de la chaîne et ça permet de générer de la vue, euh, générer euh, du trafic, etc. Et ça nous permet justement de gagner en visibilité. Voilà, je te repasse la parole, Ewen Parfait, bon, euh, nous allons démarrer l'émission avec un petit tour de l'actualité. Alors ça tombe très bien parce qu'on a réussi à capter un message de nos agents infiltrés à Prague, euh, du président du Club James Bond de Fra euh, <laughs> France, excusez-moi, euh, qui nous a fait le plaisir effectivement de nous euh, partager un petit peu euh, ben, l'actualité du Club français euh, et bien sûr de l'actualité de, la de la sphère bondienne, donc avec quelques surprises. Et je vous propose, euh, sans plus attendre, de l'écouter. Euh, et puis on reprend l'antenne juste après. Luc Leclesh, président du, du club James Bond France. Euh, journée un peu spéciale. Journée un peu spéciale parce que c'est mon dernier jour euh, à Bond in Motion. Ça fait quatre mois que je suis là pour, euh, pour soutenir cette exposition, pour soutenir la France euh, et soutenir euh, euh, tous les clubs et... James Bond au monde euh, pour la promotion de cette exposition qui va prendre fin dans quelques jours. Mais moi je rentre, ça y est c'est bon, il faut quand même que, que je rentre un petit peu chez moi avant de repartir à Vienne. Euh, ça y est c'est officiel. Euh, et si on avait été en direct, je vous aurais dit, que je vous aurais même dit les villes suivantes où, où on doit aller. Mais bon, ça sera pour une prochaine fois. Euh, avant toute chose, euh, merci d'abord euh, à mon bureau extraordinaire d'avoir tenu la boutique, Jessie et, et toute l'équipe derrière d'avoir tenu la boutique pendant, pendant mon absence. Et puis, euh, et puis, et puis c'est parti, euh, l'année 2024 se passe très bien pour nous. Vous avez reçu pour ceux qui ont la chance d'être adhérents euh, la nouvelle carte de membre. Vous avez reçu le premier magazine euh, spécial L'Homme au Pistolet d'Or. On va en sortir un deuxième au mois de juin qui sera un spécial Golfinger. Avec quelque chose de particulier dedans, vous verrez. On, on travaille dessus dès, dès, dès que je suis rentré. Et puis euh, et puis voilà. Et puis surtout les, les inscriptions pour l'année 2024 qui sont assez extraordinaires puisque déjà en trois mois on a déjà dépassé les 300 euh, les 300 adhérents euh, platinum, gold et standard. Euh, donc c'est extra. Merci à tous et merci pour votre fidélité. Donc, euh, une petite intervention juste pour vous dire qu'on est encore en train de travailler sur un événement de, de fin d'année. Là, aujourd'hui, Anglais, Suisses, euh, Allemands ont tous tombé leurs cartes. Donc, nous, on, on garde la nôtre pour un petit peu plus tard. Euh, il y aura un très gros événement euh, à Vienne pour l'ouverture de, de non pas Bonding Motion, ça va changer de nom. Donc peut-être dans une prochaine intervention sur votre chaîne, euh, je, vous, je vous donnerai le, le nom de la nouvelle, euh, la nouvelle exposition avec plein de nouveautés. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveautés. Et puis, euh, puis l'aventure continue. On n'a toujours pas de film, il n'y a toujours pas de projet, mais il se passe des trucs dans le monde entier. Il se passe des trucs à Chicago, il se passe des trucs à Washington, il va se passer quelque chose à Manchester avec le club anglais, il va se passer quelque chose à Genève avec le club suisse, il va se passer quelque chose avec le club allemand. Bref, tout le monde est sur le pont pour faire vivre et animer, euh, animer James Bond euh, euh, ben comme on peut et, et on peut très bien. Voilà, j'espère que vous allez passer une bonne soirée avec euh, sur 007 TV et euh, moi je vous dis à bientôt. Euh, Dès que je suis de retour, j'espère que je serai invité pour, pour vous faire quelques déclarations. À bientôt à tous. Et je vous montre, tiens, je vous montre ma voiture préférée. Hein, C'est quand même pas compliqué. C'est le, le plus grand James Bond qui ait jamais été fait. Et, 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 et la Lotus est là. C'est quand même extra. C'est quand même extra. Salut à tous. À bientôt. Euh, de retour, un immense merci à Luc leclerc, président du club James Bond France pour cette vidéo. pour celles et ceux qui nous regardent et qui ont oublié de vous abonner, il est encore temps, je vous le rappelle. Euh, également pour celles et ceux qui se posent des questions sur le club James Bond et ses avantages, eh bien n'hésitez pas à nous contacter, euh, nous vous répondrons avec un immense plaisir. Euh, également donc euh, par rapport à mon préambule je souhaitais euh, juste faire une petite aparté, on a oublié notre ami Géo bien évidemment mais il fait partie tellement de la famille que euh, voilà, j'en ai oublié mais en tout cas je souhaitais également lui, euh, bah, lui faire un petit, un petit coucou, ouais hein, c'est ce un soir. petit peu comme le tonton raciste tu sais on l'invite à tous les repas bon, est il est un peu, un peu mais gênant mais, bon, mais bon, malheureusement il le est là en exactement on le laisse en backstage voilà mais euh, vous comprendrez voilà. Euh, donc effectivement, euh, comme le disait Luc, nous sommes très très loin d'avoir un nouveau film ce soir, mais c'est pas grave, on va pas santé, euh, parce qu'on a également pas mal d'événements qui vont arriver. On a eu une petite annonce le 1er avril de Lion Production, je pense que tout le monde l'a vu passer, un poisson d'avril qui a été diffusé par commandeur James Bond alias Estelle qu'on va saluer. Euh, c'était un petit coup de maître puisque ça a été repartagé quand même euh, mm -hmm. en masse. Donc euh, donc voilà, je tenais à lui faire un petit un petit clin d'œil, un petit coucou ce soir. Euh, donc, par contre, ça n'a échappé à personne, un nouvel acteur. Vous avez forcément entendu parler de cette nouvelle, donc Aaron Taylor Johnson. Je vais simplement, sans débattre ce soir du sujet, euh, juste vous poser la question ce soir est-ce que vous pensez <laughs> que c'est crédible euh, Magali, tu as 13 secondes pour répondre. Oh. <laughs> euh, moi, je vais surjouer, je vais dire ouais à fond, wouhou, voilà, allez, euh, suivant, on verra. <laughs> ok, bon, ça marche. Euh, Jean-Jacques, qu'est-ce que tu en penses ah bah, J'aimerais bien que ce soit lui, mais visiblement, ce n'est pas le cas, donc de euh, toute façon, c'est à l'heure. On patientera. On verra bien. Pierre. Je ne suis pas contre. OK. Ah, Pierre, ton avis? Ah, mais l'info, enfin, c'est une info, un donc c'est un fake. Ça on, maintenant, ça on le sait. Euh, en tout cas, euh, peut-être que ça sera lui ultérieurement, ça on n'en sait rien, mais en tout cas, ce n'est pas une info de d'Ion, ce n'est pas une info officielle. Euh, donc il n'a pas tourné son, son il a pas tourné son, son gun barrel et voilà. non, il n'a pas signé pour quatre films. Bon. Et il n'y aura pas les autres James Bond présents lors d'une avant-première Non, ça c'est. Très bien. Euh, merci pour cet éclaircissement. Euh, Yann, ton avis sur le sujet euh, Pareil, euh, strictement pareil. Il euh, y a eu tellement d'intox de, euh, depuis euh, les 30 dernières années à chaque fois. Pour euh, Pierce Brosnan, c'était pareil. Euh, pour Daniel Craig aussi, donc euh, je ne m'enflamme pas. Par contre, effectivement, si c'était lui au final... Euh, pourquoi pas, il a, il a un physique un, intéressant, mais euh, bon, après, voilà, c'est tirer des plans sur la comète. Euh, ça m'intéresse pas plus que ça pour l'instant. D'accord. Okay. J'attends j'attends plutôt de, de savoir quel réalisateur ils vont choisir. Ça marche. Et surtout quel scénariste ils vont, ils vont choisir. Quel scénariste, pas, je... ouais. Très bien. Euh, José, Tom Holland ou Non, Taylor voilà, bon, <laughs> ouais, effectivement, je pourrais partir dans un délire Tom Holland, euh, Richard Madden ou. Euh... Ou euh, que sais-je, mais bon, fidèle à ma ligne. Et Richard ça, Merden, ça serait intéressant. Ouais, moi, je, je pense aussi, mais moi, enfin, cela dit, fidèle à ma ligne, ouais. euh, j'ai pour habitude de ne pas commenter des rumeurs de tabloïdes. Donc voilà, je n'irai pas plus loin. Bon, très bien. En tout cas, nos auditeurs, si vous souhaitez euh, donner votre avis, allez-y. On fera peut-être un petit résumé tout à l'heure. Euh, dans la continuité de l'actualité, on a une collaboration Fabergé et euh, 007 à 137 000 euros l'œuf. Euh, les fans sont-ils pris pour des truffes Je vous laisse euh, la parole sur le sujet. Avez, vous l'avez peut-être vu passer. Euh... Oui, je, je l'ai vu passer. Justement, dans la continuité de ce dont on discutait avec Lucas euh, dans une précédente émission, euh, ça prouve bien à quel point euh, non seulement devenir collectionneur aujourd'hui de produits estampillés 007 devient un luxe totalement inaccessible. Euh, que ce soit des produits d'ailleurs d'occasion ou des produits neufs, euh, mais ça prouve finalement que le fan de base est vraiment pris pour un gogo. Euh, je veux dire parce que personne ne peut mettre 137 000 euros dans un produit dérivé, etc. Qui plus est quand le produit dérivé n'a pas grand chose à voir avec l'objet original de laquelle il s'inspire. Elle n'a pas 4 roues et elle ne roule pas en plus. Donc, euh, il faut quand même le dire, c'est le prix d'une Aston Martin. Voilà, donc, euh, honnête, honnêtement, bon, tant mieux s'il y a certains fans qui peuvent se permettre d'investir dans ce genre d'objet. Euh, moi, je le souhaite. Mais personnellement, je trouve que c'est un, un petit peu abusé. Et de toute façon, c'est à l'image un petit peu des produits qu'on a connus ces dernières années qui sont à des prix totalement inabordables. Il est absurde. Il absurde. On est d'accord. Très bien, euh, je continue, un petit clin d'œil parce qu'aujourd'hui euh, nous sommes le 3 avril et c'est l'anniversaire de Wayne Newton, euh, a.k.a. le professeur Joe Butcher dans « Permis de tuer ». Euh, bon, ça fait partie de l'actualité aujourd'hui. On a Absolument. également les 100 ans de la MGM du coup euh, bah, je vais laisser José. Euh, bah alors la, voilà, justement, ouais, 100 ans aujourd'hui la MGM, donc elle a été créée euh, ben bah, si vous faites le calcul en 1924, ça a été la fusion de trois studios de cinéma à savoir la Metro Picture Corporation et les sociétés respectivement de Louis euh, Meyer et de euh, Samuel Godwin, euh, donc créé en 1924, avec à sa tête, à l'origine, un certain Irving Talberg, dont euh, Albert Boccoli a reçu le prix en 1981. Euh, C'est une société donc, qui existe depuis les années 30, euh, qui a produit d'énormes euh, films en grosse quantité et des films mondialement connus. Euh, je pense notamment à Bénure, à Autant emporte le vent, etc. Mais c'est aussi une société qui a souffert pendant euh, plusieurs décennies de problèmes d'organisation et de problèmes financiers chroniques. De sorte que euh, en 1969, elle a été rachetée par un milliardaire qui s'appelait Kirk Crécorian, euh, euh, qui l'a conservée et qui l'a revendue en 1986 à un autre milliardaire euh, qui s'appelait Ted Turner. Ensuite, bon, vous connaissez l'histoire, ça a été racheté par le Crédit Lyonnais via Giancarlo Paretti en 1992, avec le scandale que ça a engendré. Puis, à l'issue de ça, ça a été à nouveau racheté par le même Crédit orient, qui l'a revendu ensuite à Sony et euh, qui a aujourd'hui, euh, Sony, qui l'a vendu à Amazon depuis 2019. Mais bon, ce qui est intéressant dans la MGM, c'est que la MGM n'était pas directement liée à l'univers de James Bond à l'origine, mais en fait, par la force des choses, elle a été liée à James Bond à partir de 1981, quand United Artists a fait faillite et que la MGM a racheté le catalogue de UA euh, et depuis donc 1981 c'est la MGM qui coproduit avec Eon production euh, les James Bond c'est à dire depuis Octopussy et euh, ben on verra donc euh, si le lion apparaît encore dans le futur Bon 26 à venir voilà euh, donc euh, bon anniversaire à la MGM, 100 ans de vie et c'est quand même un des studios les plus mythiques à Hollywood avec malgré les déboires qu'il a pu connaître et comme merci dire. à Michael Chimino, du coup. Oui, au, aussi, ouais. Euh, merci, José, pour cette prévision... Euh, prévision euh, précision, n'importe quoi. Précision d'orfèvre. Merci, José, comme dirait l'autre. Euh, également, donc, on a euh, un événement à Palmyra, donc en présence de Barbara Carrera. Euh, Pierre, je vais te laisser prendre la main sur le sujet et nous donner quelques détails de, cette, euh, de cet événement qui va se dérouler, je crois, sur trois jours. C'est à toi. Tant pis. Alors effectivement donc c'est un événement donc c'est le, le site euh, on the tracks of 007 qui organise régulièrement des voyages sur les sites de tournage de James Bond et euh, donc euh, les 20 21 et 22 juin ils organisent euh, donc euh, une visite et, et des, un événement sur les lieux de tournage de Goldeneye et jamais Plus jamais donc sur la Côte d'Azur. Donc, ça va être l'occasion, en tout cas, pour tous les gens qui vont venir et qui ont pris le pro package. Euh, je crois qu'il doit être à 799 euros la totalité, les trois jours, plus la, la soirée d'accueil euh, la veille. Donc, il y a visite euh, des lieux de tournage de Jamais plus Jamais, c'est-à-dire la, la, la citadelle de Villefranche-sur-Mer. Le Fort Carré d'Antibes, euh, le casino de Monaco, euh, les lieux de tournage de la poursuite à Monaco euh, entre euh, donc la, 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 la voiture de, de, de Fatima Blush et la moto, l'accident donc qui est tourné, euh, l'accident des voitures qui est tourné à Monaco, euh, le, la scène dans le tunnel à Menton, les scènes de poursuite dans la vieille ville de Menton. Euh, euh, la Villa F. de Rothschild qui représente justement l'intérieur de Palmyra. Enfin, bon, tout ça, c'est euh, trois jours de visite. Il y a également donc une soirée de gala le 21 juin en présence de Barbara Carrera et en présence de Michael Ragnard, donc qui est le cascadeur qui fait toutes les scènes en moto euh, le saut par-dessus la voiture, le saut sur le pont, etc. Euh, et. Euh, conscient en tout cas que euh, euh, ça concerne quand même malgré tout les Français et que les Français peuvent difficilement, contrairement euh, en tout cas aux fans anglo-saxons ou, euh, ou euh, outre-Atlantique qui, qui peuvent s'offrir en tout cas ce type d'événement, donc euh, en partenariat avec le club James Bond France, euh, on the Tracks of Double 7 a organisé une soirée spéciale pour les Français. Donc, qui sera le jeudi 20 juin, euh, où, euh, qui aura lieu dans l'auditorium de la citadelle de Villefranche-sur-Mer, où il y aura donc la présence de Barbara Carrera, la présence du cascadeur Ma Michael Renard, euh, qui pourront répondre aux questions, qui feront des dédicaces, des photos. Euh, il y aura également le lancement du livre donc, de Simon Firth, Bond in France des projections vidéo. Euh, et puis euh, donc conférence avec les, les, les comédiens et cascadeurs, et euh, ils offrent ça pour, pour le public français spécifiquement, en tout cas spécialement, euh, membre du club James Bond ou pas, euh, pour 99 euros, euh, la soirée qui commence à 19h30 et qui finira au-delà de 22h, voire 22h30. Donc, ils ont fait une, un effort conscient un petit peu de ce qu'on leur a expliqué en disant, non, 800 euros, les Français, ça va être un peu difficile, plus euh, voilà, ceux qui se déplacent. Donc, ils offrent exprès pour les membres du club James Bond et les Français qui le souhaitent, en tout cas qui seront là juste pour cet événement-là, cette soirée à 99 euros. Et euh, voilà, je pense qu'ils ont fait euh, ce bel effort pour nous et je pense qu'il faut le saluer. Sinon, la soirée, la soirée suivante, la soirée de gala avec repas, champagne, etc., qui sera le lendemain, qui sera à la citadelle de Villefranche, pas dans l'auditorium, mais à l'extérieur, il y a un amphithéâtre avec projection de films, etc. Elle, elle sera à 299 euros. Merci Pierre pour tous ces détails. Évidemment, si vous avez des questions à posteriori, n'hésitez pas à nous les poser on vous répondra avec un immense plaisir. Euh, N'hésitez pas dans l'intervalle, si vous le souhaitez également, à rejoindre le Club James Bond pour avoir des, des remises par rapport effectivement à, à ce petit séjour. Euh, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des actuels. Euh, D'ailleurs, tiens, puisque euh, Hervé Bataille nous po posait la question de savoir combien coûte l'abonnement au Club James Bond, l'abonnement annuel alors, bah écoute, euh, il y a trois formules aujourd'hui. Euh, il n'en reste plus que deux, donc euh, c'est assez simple. Hein. Il va rester donc la, la formule, on va dire standard, et la formule Gold. Donc, au niveau des tarifs, je vous invite, euh, de toute façon, le lien va s'afficher euh, à vous, à, à vous connecter directement sur le site donc Jamesbond007.net et ça va vous permettre effectivement euh, d'avoir le choix sur les deux formules. Donc, c'est très simple. La formule standard va vous offrir effectivement donc trois. Euh, magazine Le Bond donc, euh, bah, qui sont finalement des, des collecteurs je pense que tous ceux qui sont là ce soir sont complètement d'accord avec ça euh, parce que bah, effectivement c'est des articles qui sont, euh, qui sont écrits euh, par euh, bah, des passionnés hein, qui sont là aussi ce soir, qui participent José je sais que tu as écrit euh, énormément d'articles par rapport à ça euh, donc bah, félicitations euh, euh, à toi et, et puis aux autres hein, qui participent hein, puisque c'est vrai que Là aussi, finalement, vous avez la possibilité quand même d'avoir euh, bah, finalement votre mot à dire. Et ça, c'est vraiment important dans une communauté bondienne. Donc, le pack, on va dire standard, vous offre donc, ces trois, bond, trois Le bond. Vous avez également donc, la carte de membre qui, euh, qui est quand même magnifique euh, et qu'on va présenter euh, tout à l'heure. Euh, et euh, bien évidemment, aux accès euh, en priorité sur les événements bondiens qui sont, euh, bah, qui sont organisés par le club. Donc, comme Luc nous l'a dit, euh, il y aura pas mal de surprises en fin d'année. Donc, euh, au niveau des tarifs sur la formule basique, c'est 60 euros euh, et euh, 100 euros pour les membres étrangers qui recevront également euh, en fait, un le bond euh, avec effectivement une bouclette en anglais. Donc, ça, c'est la première fois que le club euh, le fait et c'est quand même quelque chose à souligner. Euh, et effectivement, bah, pour la deuxième formule, puisqu'il n'en reste plus que bah, effectivement deux sur les trois, sur les trois, euh, le pack, euh, on va dire gold, qui vous permet effectivement en plus des trois le bond d'avoir en fait l'archive euh, spéciale euh, Daniel Craig hein, qui va être en deux volumes sur les sept années et sur l'année suivante. Euh, donc bah, un magazine euh, spécial euh, avec euh, également euh, bah, toute la finalement. Euh, on va dire l'ERA le, Craig, donc vous aurez énormément de on va dire de d'articles qui seront uniquement consacrés à l'ère Daniel Craig, puisque de toute façon on la célèbre encore hein, jusqu'à temps qu'on ait un nouvel acteur. Donc, et pour cette formule, euh, il faudra débourser effectivement 130 euros, toujours pareil avec euh, les Bonde, les trois Lebondes euh, le et également donc, euh, la carte de, de membre. Voilà, et effectivement, il y avait une formule platinium avec vraiment un package un peu particulier euh, qui nous permettait également euh, d'avoir une pour la première fois, en plus effectivement de l'archive et des trois Lebondes et de monde bien évidemment, euh, une lithographie dédicacée par une, une star qui, euh, qui a participé évidemment sur les raccrets. Voilà. Donc concrètement, ça veut dire que ces deux années qui seront consacrées uniquement euh, à Daniel Craig, on va dire sur les archives hein, uniquement. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, clairement, ça va être des, des archives qui, euh, qui auront énormément de, de choses à, à partager. Donc, euh, voilà, sans plus attendre, je vous invite euh, à rejoindre le, le club Vince Bond. Parce que, bah, effectivement, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc, euh, donc voilà. Et évidemment, encore une fois, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent du temps à écrire ces articles, à participer. Et, euh, et concrètement, c'est aussi euh, bah, les remercier, quelque part, du travail qui est effectué. Euh, parce que c'est. Euh, et pour y avoir participé, justement, euh, cette fois-ci, c'est quand même beaucoup de travail. Euh, c'est toujours du bénévolat quelque part. Donc, euh, c'est vrai que, voilà, et ça, ça permet, euh, encore une fois, de, de pouvoir s'exprimer. Donc, euh, donc, je vous invite euh, sans plus attendre à rejoindre le Club Giants Bond France. On a besoin de vous aussi, euh, parce que plus on est nombreux, plus on peut euh, concurrencer, finalement, bah, les clubs émergents qu'il euh, qui y a sur l'Europe. Le, sur euh, je pense à nos amis anglais, je pense euh, évidemment euh, bah, à de nos amis suisses. Hein, euh, euh, voilà, qui organise des événements. Et plus on est nombreux, plus on peut faire des choses importantes et plus on, fait, on peut faire venir aussi euh, du monde. Donc ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Voilà. Euh, bah, écoutez, je pense qu'on va, on va poursuivre. Allez. Ça vous va euh, juste peut-être on va faire une petite parenthèse quand même sur euh, le chat en direct on a quand même pas mal de réactions euh, des personnes qui remercient effectivement la chaîne par rapport au, au travail qui est effectué euh, donc, euh, donc merci à vous euh, d'avoir commenté euh, je crois que sur euh, la rumeur Aaron Taylor on n'a pas trop trop de réactions finalement Non je crois euh... que tout le monde s'en fout finalement Tout le monde s'en fout <laughs> Allez, bah, du coup, On va continuer Tout le monde s'en fout ah, Parfait Très bien, alors sans plus attendre, je vous propose euh, de revenir à notre sujet initial, donc effectivement euh, Quantum of Solace, donc euh, film qui n'a euh, qui pas fait mouche au départ, mais finalement, euh, il revient, euh, Il reçu fraîchement par la critique. Oui, exactement. Euh, donc sans plus attendre, je vous propose euh, de regarder un premier avis, euh, qui est celui de Jean-Jacques, et puis euh, je vous propose de reprendre l'antenne juste après. Bonsoir à vous. Après l'exceptionnel Casino Royale en 2006, euh, il est vrai que le, la barre était haute. C'était pas évident de reprendre, de suivre euh, ce, cet excellent opus. Et j'avoue franchement ne pas avoir été vraiment déçu par ce Quantum of Solace. Alors c'est vrai qu'il a certes quelques défauts, on est d'accord, euh, la grève des scénaristes n'a pas rangé les choses, ils s'en sont bien sortis je trouve même s'ils si auraient pu approfondir quelques, quelques détails euh, pour pouvoir faire que le film passe les deux heures. 1h45 pour un bon, je trouve que c'est un petit peu trop léger. Par contre, bah, j'ai beaucoup apprécié le film. Euh, la scène, euh, scène d'ouverture, le pré-générique avec l'Aston Martin, comme ça on n'en parlait plus, et franchement c'était excellent. Euh, après il y a la scène sur la... Euh, sur, la, sur les toits de sienne. Alors il y, y a une scène que j'adore dans ce film, c'est la, la, la poursuite et la, la chute à travers la verrière. Je trouve que c'est super bien foutu. J'ai beaucoup aimé, euh, comme beaucoup de scènes dans le film. Alors c'est vrai que c'est beaucoup de scènes qui sont rajoutées, mais le scénario se, se, se suit assez facilement. Il y a beaucoup de choses, il y a, des, il y a quelques... Pas des longueurs, mais il y a quelques... Quelques détails qui sont pas indispensables, mais bon, dans l'ensemble, c'est un très très bon film. Il y a des scènes absolument ma magnifiques. Euh, la scène dans l'opéra est, est absolument magistrale. Euh, la musique, le, le, le fait de mettre la musique, de puis avoir de, de bande son vraiment dessus, c'est théâtral, c'est orchestral, c'est fabuleux. Euh, la scène avec l'avion dans l'avion, c'est pareil. Il y a des, des, des prises de vue qui sont qui sont très bons. Il y a, ils sont très bonnes, pardon. Et, et puis il y, y a un Bond qui, euh, contrairement d'habitude, il n'y a pas de mission, il, il, je crois qu'il il, il suit son cours, il fait ce qu'il pense faire, ce qu'il veut faire, euh, il poursuit sa, violence, sa, sa vengeance, il cherche à aller plus loin, il, est, il, est, il se retrouve tout seul, et, enfin tout seul avec la superbe Olga Kurlenko. Alors ça, vraiment, de ce côté-là, je ne peux pas être objectif, parce que je suis un fan inconditionnel d'Olga Kurlenko, dans, dans tous ses rôles. Euh, je la trouve aussi magnifique qu'efficace, j'adore. Son personnage, d'ailleurs, est, est très bien, dans sa vengeance. Ils, ils se retrouvent tous les deux, d'ailleurs, c'est très bien, bien euh, retranscrit dans, dans, le, dans le scénario dans le film. Ils sont... Ils font... Ils font, comme ça s'appelle... Une, une vendetta, tous les deux, ils cherchent, ils, ils se recherchent. Alors, l'une par rapport à, à son passé, et, et bon, par rapport à, pareil, à son passé, à, ses, à, ses, à son passé meurtri, je trouve que c'est pas mal. Franchement, c'est bien amené. Après, il y a un, il y a un méchant, alors c'est Mathieu Amalric. Honnêtement, j'ai. J'ai revu le film il y a, il y a peu de temps, exprès en, en vue de cet avis, et euh, j'avais peut-être mésestimé le, le travail de Mathieu Amalric. Parce que dans, dans beaucoup de films, le, le méchant, c'est le personnage presque principal. Là, en fin de compte... Euh, Dominique Green c'est un faire-valoir, c'est un sous-fifre, c'est un, un personnage tampon, c'est pas lui qui dirige la mission, c'est lui qui donne les ordres, il agit très peu, et d'ailleurs quand il agit, euh, bah, on voit comment ça se fait, hein, puisqu'il se, il se donne un, un coup de hache dans le pied, donc on sent que c'est plutôt un, un fonctionnaire, un, ouais, un personnage tampon, et il le, il le joue très bien, et c'est vrai que jusqu'à présent j'ai toujours trouver son personnage un petit peu léger, parce que je cherchais cette, cette puissance dans la méchanceté, dans la, dans la dureté, dans, ou même dans, le, dans la conception d'un projet, et en fin de compte, il ne fait qu'agir, voilà, on lui dit de faire ci, il fait ça, d'ailleurs il ne se salit pas les mains, il ne fait rien, et donc c'est un, un méchant, euh, ouais, il est... Je sais pas, c'est un pion. C'est juste un pion. C'est pas vraiment un, un personnage aussi charismatique qu'on a pu le voir dans la saga depuis, depuis très longtemps. Et c'est un petit peu dommage. Après, bah, je trouve que le, le, le sujet était important. Et peut-être de ce côté-là, c'est le seul défaut que je trouverais avec le temps, c'est que ça n'a pas été assez euh, mis en avant euh, le côté euh, d'utiliser l'eau comme, comme le pétrole. Comme... Je, je trouve que c'est un petit peu dommage. Il y a des. Euh, c'est un film qui est, qui est très bon, beaucoup d'action, euh, malgré effectivement le, le manque de de. de, de suivi dans, dans le personnage, dans l'histoire. Il y a quelques défauts. Et puis et puis il y a une scène, on en a déjà parlé, une scène qui moi me, me perturbe et qui me bloque à chaque fois, c'est la mort de. de comment ça s'appelle De. Ah oh, merde la mort de Matisse. Décidément, c'est pas normal. Et donc, la mort de Matisse. Je comprends pas pourquoi Bond met le corps de Matisse dans la poubelle. Quelque chose qui m'a toujours, euh, je, je comprends pas. De euh, toute façon, on sait que c'est la magouille, donc il peut laisser le corps sur place. Pourquoi il le met dans la poubelle Qu'est-ce qu qu'il qu cherche à, 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 à démontrer, à montrer, à vouloir. Faire croire, je comprends pas. Pour moi, c'est pas logique. C'est euh, voilà, il lui prend l'argent, les portefeuilles, oui, parce que de toute façon, il n'en a plus besoin. Et puis, lui, pour la mission, c'est nécessaire. Maintenant, euh, sachant de toute façon qu'il a été trahi par les par sbires les, 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 les sur place, pourquoi euh, je, je sais pas, c'est une scène qui me Elle me heurte, elle me choque. Alors, peut-être que je sais pas, il ya euh, je, je comprends pas trop. Et sinon, bah, ça reste un, un film qui est. Un très bon film, très bon film d'action, un très bon Bond, euh, sans fioritures, sans superlatifs. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, enfin plein la vue pour pouvoir vraiment euh, euh, faire un, un, un excellent Bond. Euh, on sort des, il euh, n'y a, a pas besoin d'avoir de décors fabuleux, pharaonique euh, Là, on s'aperçoit qu'on peut faire un, un très bon film, un très bon Bond avec et on va dire pas les moyens du bord parce que ils ont sacrément les moyens, mais bon, il y a quelque chose à faire. Il y avait, il y avait quelque chose à faire et ils s'en sont bien sortis, mis à part peut-être la grève des scénaristes. Mais encore que bah, l'histoire se tient bien, c'est l'histoire parallèle des deux vengeances. Je trouve que c'est bien amené. Euh, les personnages annexes, pareil. Euh, franchement, c'est euh, ouais, j'ai ai beaucoup aimé cet opus. Et après, euh, même la BO, je trouve que la... Jack White et, euh, White et euh, Alicia Keys, ben, je trouve qu'ils euh, qu s'en sortent très bien, alors je sais que tout le monde n'aime pas ce morceau, mais moi je me rappelle d'un jeune collègue qui, euh, on... quand je lui ai fait écouter la musique, a voulu aller voir Bond, parce qu'il y avait Alicia Keys dedans, donc je trouve, est-ce que ça a été un... Un, un argument pour avoir plus de public, j'en sais rien, mais bon, c'est vrai que ça m'a amusé, et puis bon, euh, avec le temps, je me suis fait à l'idée de ce morceau, mais bon, je trouve que euh, ça, ça tourne très bien, et la, la BO est aussi excellente, j'avoue franchement que je, je la réécoute régulièrement, c'est vraiment, euh, vraiment un bon moment. Euh, dans l'ensemble, non, je n'ai pas trouvé de défaut à ce film, voilà, c'est un bon opus, un bon opus, pardon, euh... Bah, pour moi, dans, dans l'air craig, il y a Casino Royale, Skyfall, euh, Quantum of Solace, après No Time to Die et Spike. Bon, peut-être que les deux derniers sont les jours, ça peut varier. Mais, euh, mais voilà. Donc pour moi, c'était un, un bon moment, il y avait, avait bonnes choses à faire et ils s'en sont plutôt pas mal sortis. Merci, Jean-Jacques, pour euh, bah, cet excellent euh, avis sur Quantum of Solace. N'hésitez pas, euh, toujours pareil, hein, à commenter un petit peu, euh, vous, ce que vous avez pensé du film. On pourra euh, y revenir juste après. On va continuer euh, juste, on va re revenir euh, un petit peu sur, sur l'actualité. Il paraît qu'on qu a une, une, une importante nouvelle à annoncer. Ou est-ce une fake news euh, Magali, je vais te laisser prendre la main euh, sur le sujet. Alors c'est une nouvelle 100% pas du tout officielle 100% fausse 100% euh, fake. Euh, il paraîtrait que Zendaya et Sydney Sweeney auraient été repérées pour être les futures James Bond girls. Voilà. C'est inutile, ça ne sert à rien, mais on l'a dit quand même. Ah, en même temps que Aaron Taylor, du coup, euh, ouais. oui, c'est même Macabi. D'accord. <laughs> et euh, un, une dernière chose par rapport à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au club. Euh, donc les tarifs, c'est bien ça, je viens de vérifier. Euh, et pour ceux qui se posent la question, puisque tu parlais tout à l'heure de la carte oui. de membre, pour voir Encore. à quoi elle ressemble, les cartes de membre du club James Bond bon, Je ne vais pas vous, toutes vous les sortir depuis ces dernières années, mais voilà à quoi ressemble la toute dernière en date. Donc elle est, elle est dorée euh, avec... Euh, à l'effigie du Golden Gun de Francisco Scaramanga. Voilà, recto verso, euh, c'est vraiment de très, très haute facture. Voilà. Ça fait et effectivement euh, pour ceux, parce que ça reste quand même un objet collector euh, et 100% français, euh, pour ceux qui souhaiteraient euh, acquérir effectivement bah, les anciennes cartes de membres, elles sont disponibles sur leur site et évidemment sur les événements. Euh, sachez qu'à chaque fois, euh, on a euh, des membres euh, du bureau euh, qui, qui, en fait, euh, finalement... Euh, sont présents pour nous et nous, nous permettre effectivement de pouvoir acquérir euh, de nombreux objets euh, bah, finalement du club et, et autres. Donc merci effectivement euh, aux Lebo qui font euh, bah, un excellent boulot euh, pour ça et donc vous pourrez euh, effectivement acquérir bah, les cartes de membres, les anciens Le Monde, etc. Euh, également bah, du coup un hein, Le Monde, c'est quoi pour ceux qui se posaient la question J'ai vu passer pas mal de commentaires. Euh, ça bon toi, ça sera mieux Ouais, non, là je ne vais pas pouvoir vous couper. Euh, mais bon, globalement, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que connectez-vous sur JamesBond007.net. Euh, vous allez avoir euh, un petit peu euh, bah, l'idée euh, bah, du travail qui, qui est effectué et euh, bah, de la qualité finalement euh, des, des ouvrages qui sont proposés. Euh, donc surtout, euh, n'hésitez pas. Voilà. Donc merci. De... <laughs> je reviens à toi par rapport à ton avis sur Quantum of Solace. Euh, également, bah, je vais proposer à, bah, à Magali de nous dire qu'est-ce qu'elle a pensé du film Quantum of Solace euh, Sur le moment ou maintenant, j'ai envie Là. de dire. Euh, oui, après, oui, je... si as dit, euh, pourquoi pas. Bon, après, je n'ai pas changé d'avis euh, globalement, mais forcément, il y a eu la suite derrière, donc il euh, y a eu plus de cohérence. Après, vraiment, le duo euh, Casino Royale et Quantum, bah, c'est indissociable et euh, c'est ce qui m'a fait devenir fan aussi. Et quand tout a bah, vraiment ce, ce traitement de, de fond, de, de deuil et, et toute la violence qui va avec. Enfin, heureusement, pas pour tout le monde, Ouf. Euh, mais qui, qui est quand même très, euh, très importante. Cette dimension-là est très importante pour moi. Donc, euh, c'est un film que j'apprécie voir. Euh. Alors, pour, la fun, voilà, pour le fun fact, euh, c'est probablement la première BO de film que j'ai écoutée en conduisant. J'ai fait attention euh, à ma vitesse. Voilà. <laughs> Mais a euh, clairement oui, c'était la première et c'est vrai que bah, c'est bête à dire, mais avec la voiture de devant ou quoi, le, la petite... Non, non. Euh, <laughs> voilà. Mais c'est vraiment un film que j'ai plaisir à revoir à chaque fois, les petites balades en coffre, ça se regarde, c'est ça. justement, euh, justement est-ce que tu avais quelqu'un dans le coffre à ce moment-là C'est ça la question. Ça, l'histoire ne le dira pas. Okay. <laughs> et, elle l'a plus parce qu'elle l'a mis dans la poubelle. <laughs> Le recyclage, ça vous gagne, et c'est comme ça que j'ai fait ma transition vers euh, <laughs> l'écologie. Bref, ton côté Green Planet aussi, voilà, et puis je voilà. suis restée corporate depuis, voilà. J'ai réussi à garder un fil rouge, enfin un fil vert pour le coup, euh, avec toutes ces histoires de, de James Bond, et voilà, ça a eu un impact quand même considérable. Bref, on n'est pas le premier à ouais. On a deux jours de trop. Parfait. Bah écoute, Yann, je vais te laisser prendre la main. Qu'as-tu pensé de Quantum of Solace Est-ce que tu as aussi un avis qui a été modifié au fil du temps, ou que ouais. ouais. Oui. Euh, au tout début, j'avais été très déçu en sortant de, de, du cinéma, puisque j'avais vraiment adoré euh, Casino Royale. Euh, c'était, euh, c'était un excellent opus pour moi. C'était la franchise des bien reparti sur de très bonnes, d'excellentes nouvelles bases et euh, je ne vais pas parler de douche froide, mais euh, j'avais été très déçu d'un pur point de vue euh, formel au niveau, euh, au niveau visuel. J'avais euh, dès la scène d'ouverture j'avais détesté le parti pris du du montage. J'étais en train de me dire mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Ils sont en train de perdre de, de leur ADN. Ils sont en train de de faire du Jason Bourne et euh, et je ne comprenais pas euh, pourquoi et euh, et toutes toutes les tous les problèmes d'écriture du film même si ça, je pense qu'on va y revenir euh, on va revenir dessus. Tous les problèmes d'écriture du film, tous les problèmes de montage ont supplanté toutes les bonnes idées. Ce qui fait que pour pendant très longtemps, bah, je l'ai un peu déprécié. Et euh, je l'ai un peu oublié. Et c'est à force de parler avec euh, des membres du groupe, euh, que ce soit sur le groupe Facebook, euh, avec Patrick Joanneau, avec Pierre Rodiac, euh, plein de personnes comme ça. Et même Géo, je crois, euh, l'aime bien. Et à force, je me dis, bon, je vais peut-être lui redonner une chance. Je l'ai revu il y a quelques... Euh, peut-être un an ou deux. Et, euh, et je me dis, bah, en fait, non, il ouais, y, y, y a vraiment des trucs intéressants, il y a des scènes intéressantes, il y a des scènes qui surnagent comme ça. C'est un film qui a, qui a des problèmes, clairement, qui a des problèmes d'écriture euh, liés à sa production, liés au, à la grève des scénaristes. Peut-être qu'on y reviendra. Mais, euh, mais au final, c'est un de plus qui a plein de bonnes idées. Et pour faire court, je dirais que c'est un, un acte manqué. C'est un, un acte manqué qui a beaucoup... Euh, euh, je pense jouer dans la balance dans l'avenir de, la, de la saga par rapport à l'implication de, de Craig. Ça, il a, je crois, détesté euh, le fait de s'impliquer autant dans l'écriture euh, et ça a peut-être pesé dans, dans son implication du, dans, le, dans le rôle par la suite. Et c'est pour ça que je pense par la suite il y a eu moins de. Il a l'air de s'ennuyer en, dans, dans les autres films, surtout après Skyfall dans Spectre, c'est prépondérant. Et euh, je pense que la, la mauvaise expérience qu'il a eu sur sur euh, Quantum, euh, explique peut-être euh, pourquoi ça, il y a eu une perte de d'appétence pour le, le personnage après. Mais en tout cas, maintenant, ouais, je l'apprécie. Parfait. Merci à toi, euh, Pierre. Du coup, je vais te demander ton avis à toi aussi sur ce film euh, en quelques en quelques mots. Alors, quand le film est sorti, j'étais euh, un peu dépité, un peu déçu. Euh, il sortait effectivement après Casino Royale, qui avait été quand même un grand choc, qui avait relancé la, la série. Après, même euh, quelques années après, euh, entre Casino Royale et Skyfall, je trouvais que le film euh, faisait un peu tache. Euh, J'avais pas du tout aimé le montage à l'époque. Et, et, et effectivement, je trouvais que le film était plutôt mal écrit, qu'il allait trop vite, qu'il était trop rapide, etc. Je l'ai revu au moment du confinement, où c'était un peu l'occasion de se refaire tous les films. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Et euh, j'ai revu aussi mon, mon avis sur le film. Il euh, y a des choses superbes, il y a des scènes absolument magnifiques. Je trouve que finalement, il s'inscrit bien dans la continuité de Casino Royale sur le plan euh, narratif. Il nous permet, il permet aux bandes d'évoluer. Euh, je trouve qu'il y, y a des. Alors, la, la photographie est superbe. Euh, le montage, on peut le critiquer sur certaines scènes d'action et pas sur. Toutes. Principalement, oui. Surtout la première. Et, et je pense qu'un des défauts aussi, non seulement du montage, mais c'est que par exemple la première scène d'action, euh, la première scène en poursuite, en pré générique, toutes les voitures sont noires. Alors mmh. que s'ils avaient mis, par exemple, la voiture de Bond, voiture noire, et les autres voitures d'une autre couleur, grise ou blanche, on aura, ça aurait été visuellement beaucoup plus compréhensible. Il y a un combat aussi où euh, Blond combat euh, contre un mec blond euh, qui est en, habillé comme quasiment voilà. comme lui. Donc on comprend pas trop qui frappe, etc. Donc s'ils avaient simplement distingué un peu les vêtements, etc., ça aurait été beaucoup plus clair. Mais il y a des scènes absolument magnifiques. Ah, il y a des choses qui me déroutent. Euh, ce qui fait de Matisse, je ne comprends pas bien. Je comprends pas. Quoi, il le laisse dans une poubelle, etc. Je veux bien essayer de comprendre, mais voilà, je n'ai pas trop compris. Euh, par contre, la scène de l'opéra est superbe, par exemple. Il y a des moments où le montage est magnifique, notamment sur les ambiances, les ambiances à Haïti, ou après le combat, euh, sur le balcon, il y a juste un rideau, un souffle, comme ça. Il y a un travail sur le montage et sur l'image et sur le découpage du film qui est superbe. Maintenant, voilà, il souffre un peu d'une faiblesse de scénario, faiblesse d'écriture, alors qu'il a des idées superbes au départ et qu'il a des enjeux qui sont vraiment intéressants mais qui sont pas vraiment exploités et c'est dommage. Si, si je peux revenir sur un truc, il y a un aspect alors, de la deuxième vision que m'a plu, c'est le côté euh, beaucoup plus hard-boiled du, du personnage de, de Bond, de la façon de le traiter dans, dans sa vengeance. Ça, on rapprocherait euh, presque de permis de tuer. Et, et ça, c'est euh, vraiment intéressant d'en faire un personnage beaucoup plus dur. C'est vrai que la, la fois où il, où il jette Matisse dans la poubelle, je me suis dit, waouh, là, c'est presque trop, euh, trop dur. Mais en fait, mm. ça m'a ça moins choqué à la deuxième vision parce que je comprends que euh, le, le, la carapace qui s'est forgée à ce moment-là. Alors, c'est Ce euh, je... très ouais. intéressant. Avant de donner la parole à, à José pour savoir qu'est-ce qu'il a pensé des films, euh, effectivement, je pense que la scène a choqué pas mal de monde. Euh, moi, je vais quand même juste donner mon avis par rapport à la scène. Euh, il ne faut pas oublier qu'il y a un contexte particulier mmh. au moment de cette scène et globalement, de ce que moi j'en ai compris, c'était, euh, bah, c'est simplement pour maquiller un crime crapuleux qui aurait pu avoir eu lieu, euh, pour lui permettre, avec euh, Olga Kourininko, de pouvoir euh, bah, prendre, prendre la route. Euh, justement, le fait qu'il qu ouvre son portefeuille, qu'il prenne l'argent, etc., c'est pas anodin, euh, et quelque part, euh, je, je pense que cette scène, et je pense il y a pas forcément énormément de personnes et pour avoir lu pas mal de, de choses sur les forums euh, d'ailleurs euh, anglo-saxons et autres, euh, tout le monde n'a pas forcément compris une scène à la fin du film et ça je pense qu'il est important d'y revenir dessus euh, Bond venge la mort de Matisse à un moment donné et je pense que ça n'a pas forcément été vraiment très très clair euh, à ce sujet et, et c'est peut-être un petit peu ce qu'on en revenait, enfin euh, ce que Pierre disait Yann aussi euh, et puis Jean-Jacques d'ailleurs hein, par rapport effectivement au, au choix du montage euh, qui est pas forcément euh, compréhensible parfois et c'est tellement rapide on, voilà sur des sur des, des éléments vraiment importants comme euh, justement cette fameuse scène euh, où Matisse c'est quand même euh, il faut, faut quand même le dire et je pense que ça fera l'objet du débat une figure paternelle euh, voilà clairement je pense que, que beaucoup euh, ont, ont perdu le fil et, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage voilà euh, José, du coup, est-ce que tu veux... Excuse-moi, si je peux rebondir là-dessus. Okay. Juste pour dire, euh, il peut faire effectivement, si jamais personne ne sait qui, qui, euh, qui l'a tué, mais là, on sait très bien que c'est les forces de police sur place qui l'ont assassiné. Donc, oui. pour, pour, pourquoi faire son nom alors que tout le monde, toutes les autorités sur place... C'est même, même au-delà de ça, c'est que c'est le chef de la police clairement qui le non. fait, euh, qui le fait abattre, qui en plus manque son coup. Donc pour le coup, euh, il, est, il est extrêmement euh, compétent, n'est-ce pas euh, mm. Mais euh, mais voilà. Après, justement, le fait que Bond euh, à ce moment-là, c'est très bien que globalement il va être euh, désigné coupable euh, de, de la mort de Matisse, euh, Globalement, est-ce que justement le fait que le, le traitement et le fait qu'il le jette dans la poubelle, est-ce que c'est pas justement un moyen pour lui pour euh, voilà un petit peu maquiller les, les preuves, etc. Le temps qu'ils fassent leur enquête, etc. Puisque il faut rappeler que ça se passe dans un pays où il n'y a pas forcément énormément de moyens, On même, si, même si euh, voilà l'objet principal c'est Bond et, et, et coupable, euh, voilà et pour lui permettre de euh, bah, de, de prendre euh, finalement le, le large et, et de, de poursuivre sa mission. Voilà donc tant de questions qui font que Potentiellement, et je pense qu'on a oublié de le dire en préambule aussi, euh, il faudra rappeler euh, à quelle période le film a été, euh, ben, a été tourné et a été proposé. Il faut rappeler la grève des, scén des scénaristes, etc. On sait qu'il y avait un enjeu financier, on sait qu'il y avait, il y a plein, plein d'autres choses qu'on qu parlera en débat tout à l'heure. Mais je, je pense que justement, voilà, on, on en revient au sujet principal, c'est le choix du montage qui n'est pas forcément euh, compréhensible et, et peut-être qu'il manquait aussi des scènes. Euh, euh, annexe qui nous aurait permis effectivement de, de faire ce film-là ben, finalement d'un film décevant <coughs> euh, euh, voilà, qui a, qu a toute sa place de, dans, dans la saga voilà euh, est-ce que quelqu'un veut, veut... Oui. Oui. Bah, oui. Je, vais, euh, je vais rebondir un petit peu sur tout ce qui a été dit à, à droite et à gauche. Globalement, je suis assez d'accord avec tout le monde, mais c'est vrai que je vais prendre euh, deux, deux citations qui ont été prononcées dans les dernières émissions qu'on a effectuées. Je vais d'abord rendre hommage à Pierre. Et finalement, je pense qu'on peut pas lui donner tort quand il dit que il faut toujours faire la distinction entre le film qu'on aurait souhaité et le film qu'on a. Bon, en l'occurrence, le montage, yes, il est ce qu'il est. Disons que ça ne favorise pas le film, mais disons. Donc bon, on arrive à faire avec, euh, tant bien que mal, etc. Et euh, je vais reprendre aussi un petit peu ce qu'a dit euh, Yann tout à l'heure, et ce que disait aussi euh, Emmanuel dans notre dernière émission consacrée au monde ne suffit pas. Et effectivement, Quantum euh, of reste définitivement comme une occasion ratée, comme une occasion manquée. Euh, ça aurait pu être un film euh, ayant beaucoup plus de qualité. Bon, après, je veux dire moi, à titre personnel, ce qui ne me... Euh, ça ne me dérange pas les petits problèmes d'écriture, etc. Parce que je trouve que les enjeux sont quand même extrêmement intéressants. Les scénar les les personnages sont quand même relativement bien écrits. Euh, c'est effectivement très complémentaire avec Casino Royale. Bon, mais cela dit, c'est vrai que c'est quand même le film qui a engendré mon désintérêt pour la saga pendant quand même plusieurs années. Euh, J'avais été quand même assez réservé sur Casino Royale. J'avais été extrêmement déçu par Quantum of Solace. Et finalement, tant bien que mal, c'est un film aujourd'hui à laquelle j'arrive à trouver quand même quelques qualités. Euh, maintenant, il ne sera jamais aussi bien dans mon esprit que dans celui des fans comme... Le meilleur film de la saga ou le meilleur film de l'air Craig, mais néanmoins, il a quand même des qualités notables, notamment, comme le disait Yann, la photographie, la réalisation, euh, comme le disait Pierre aussi, la scène de l'opéra, etc. Même si je suis un peu plus mitigé euh, sur cette scène-là, qui à mon sens était légèrement surcotée, euh, mais globalement, ce n'est pas un mauvais film. Euh, disons que dans la saga de James Bond, on a connu des films beaucoup plus mauvais que ça. On voilà est ce bien la... d'accord. Donc, merci euh, José pour, euh, bah, pour ce, cet avis. Euh, concrètement, euh... Bon, et toi, Ewen, tu, tu penses quoi Alors, euh, moi, c'est un petit peu. Effectivement, je pense que mon avis, euh, il a été un petit peu pareil que tout le monde autour de la table. Euh, très clairement, euh, voilà, j'ai eu une forme de déception ou pas. En fait, euh, moi, en tant que fan à, à cette période-là, je vais rejoindre Magali sur le sujet. Euh, pour moi, j'en ai quand même eu euh, ben, plein les yeux, très clairement. Euh, voilà, après, effectivement, mon avis a évolué quand euh, ben, finalement on a, on a Skyfall qui est sorti derrière. Euh, les enjeux étaient complètement différents. Euh, néanmoins, c'est un film qui, euh, là, aujourd'hui, ça reste, et c'est particulier, mais ça reste un de mes films préférés. Euh, je, je, je prends un immense plaisir à le revoir, euh, ce qui n'est pas forcément le cas euh, ben, des autres films de, de Craig aujourd'hui. Voilà, Alors, en fait, mon avis varie en fonction de de, 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 de l'avancée voilà, de, de, de la vie, entre guillemets. Et je pense que tout le monde est, est d'accord là-dessus. On a toujours aussi, euh, bah, finalement, cette dimension personnelle qui vient parfois s'ingrémenter. Se, se, On a tous été fans à un moment donné de nos vies, et c'est pas anodin aussi. Et il faut le remettre dans le contexte. Euh, voilà, donc très clairement, euh, je, je pense que j'ai appris avec le temps à apprécier ce film euh, et, et vraiment à en faire un, un, un des films qui, effectivement, est décevant, mais... Voilà, c'est ça reste finalement ben, l'héritage qu'on a eu aujourd'hui hein, de ben, toute la saga mondienne et, euh, et j'en suis extrêmement reconnaissant pour ça. Même si j'ai énormément de critiques euh, euh, sur le film, j'ai également énormément d'avis positifs. On, on parlait de la photographie tout à l'heure. On parle, enfin, ça n'a pas été dit, je crois, mais on a une BO qui est extraordinaire sur sur ce film <laughs> que je prends un, un immense plaisir à réécouter euh, encore en ce moment. Euh, et qui, qui je trouve euh, vraiment enfin voilà il y a une qualité de boulot qui a été faite dessus et c'est ça fait euh, voilà on, on, notamment des scènes d'action on parle de, de la scène en bateau par exemple euh, avec justement les bruitages de fond qui sont mis en, en finalement en, en diminution et puis la musique prend prend le dessus on parle également de la même scène à l'opéra Bregenz enfin, elle est juste incroyable euh, quand justement il y, y a toute l'action qui euh, bah, qui se passe en fond et la musique prend le prend le, le... Dessus. Je, je trouve je trouve cette approche il, vraiment Hyper intéressante qu'on n'a pas sur les autres, donc vraiment, je pense que Quantum a toute sa place dans la saga. Euh, voilà, et puis euh, également, aussi des, des enfin, finalement des, des petits clins d'œil qu'il y a eu aux autres James Bond. Euh, voilà, on parle de la scène en Haïti quand les cercueils tombent, l'event ne die, euh, on a de la scène du désert, on a la euh, ben, finalement James euh, Atherton qui est en, ben, ouais. comme Goldfinger, euh, mais effectivement, avec, euh, avec... <coughs> bref, je trouve quand même que malgré ils nous ont permis, euh, ben finalement, à peine trois ans après Casino Royale d'avoir une continuité. Et, et j'arriverai pas à dissocier aujourd'hui ces deux films, très clairement. Mmh. Euh, euh, voilà. Même si, euh, voilà, on, avec du recul, on se dit, oui, ça, ça aurait pu être mieux, etc. Mais je pense qu'il faut, il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Et malgré tout, euh, ça reste un, un très très bon film. Euh, voilà. Et comme le disait José aussi, hein, très clairement, euh, il y a eu pire. Euh, sur... Il voilà. euh... y, y, surtout... y, y a aussi la scène, euh, la scène sur le toit euh, à, la, à la fin de l'opéra. Ah, complètement fekes. Ou... Ah, Exactement. Ouais, c'est ça. <laughs> ah, mais, ah, je pas, oui, pekesh. Alors pas, moi, je, euh, très clairement, en plus, <laughs> on en a parlé avec, avec José juste avant. Mais c'est vrai que oui, oui, je suis complètement d'accord ah, avec ouais. Les clins d'œil, il y en a eu, euh, il y en a eu énormément. Il y en a plein, ouais. Il faut le souligner, très clairement. Non, mais Après... surtout, ce qui, est ce qui est intéressant dans Quantum là, c'est que, et moi je l'ai vu quand on a organisé le sondage concernant oui. euh, l'avis qu'on a demandé à, aux membres du groupe, c'est que c'est un film qui a été voué au gémonies pendant presque une dizaine d'années. Et aujourd'hui, est-ce euh, que c'est lié au phénomène notamment Time to Die avec la grosse déception qu'a été le film, euh, notamment par rapport à sa dernière partie euh, Mais cela dit, le film aujourd'hui rentre progressivement dans une forme de réhabilitation. Et euh, je pense que c'est. Euh, d'une certaine manière, c'est mérité. Mmh. A, je, je voulais juste Mais... revenir sur... Euh, rebondir par rapport au chat, si, si on... Oui, tout à il fait, faut... je t'en prie. Il, y a, euh, il prie. y a Harry Bataille qui... Euh, on le remercie d'ailleurs pour sa fidélité, qui parle... Euh, qui dit que pour lui, c'est le plus mauvais James Bond au niveau réalisation. Trop de cuts, des cuts toutes les deux secondes. Euh, mmh. Je voudrais juste revenir sur un point. Il faut bien distinguer montage et euh, réalisation. La réalisation, c'est vraiment le, le découpage d'une scène, la mise en situation... Le, le, la direction des comédiens. Un exemple typique, c'est par exemple la, la scène de l'opéra dont, dont parlait Pierre qui est, pour moi, à, à titre personnel, c'est une excellente scène parce qu'il y a de la tension, justement. Euh, oui. Après, le, le, le montage, c'est une toute autre chose. Là, on réécrit complètement. Euh, après le tournage, on réécrit euh, presque... C'est une écriture et on refait complètement le, le film. Et un, une très belle réalisation peut être massacrée par un, un montage épileptique. Hein. Euh, c'est... Oui. Vraiment deux choses mais, mais la et scène, des, 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 des la scène de l'opéra est une scène qui est très bien réalisée Incroyable. qui a oui. une superbe photographie et qui est très bien montée c'est-à-dire que les, les, là, deux oui. monteurs, les deux monteurs du film s'ils veulent et s'ils ont les bonnes directions ils peuvent faire de, quelque chose de superbe parce que cette vrai. scène là n'est pas mal montée et elle n'est pas mal réalisée non plus et elle donne quelque chose de magnifique et musique en plus bon oui. après peut-être qu'aussi un, un, un montage épi, épi comme ça sert peut-être à rattraper euh, à, à quel euh, des brèches et à rattraper un problème de chorégraphie d'une scène et je pense notamment à la première scène de, de, de poursuite vous disiez tout à l'heure qu'il y avait un problème pour distinguer les, les véhicules euh, pour moi c'est effectivement un problème peut-être en amont de découpage et ils ont été Peut-être essayer de rattraper ça avec un en dynamisant le, la, la scène, mais ça, ça ne prend pas et, et est, on est presque au-delà du Michael Bay à ce moment-là. Après, euh, la, la vraie question, c'est est-ce que globalement, on avait. Euh, D'ailleurs, tu l'as très, très bien dit tout à l'heure, Yann. Ouais. Euh, en fait, on, avait, euh, on, on a eu Casino Royale on en a pris plein la gueule, euh, très clairement. Ouais. Et, et, et effectivement, on avait une attente, mais euh, si, ouais. très clairement, quand Quantum est arrivé, euh, ouais. comment faire mieux que Casino Royale euh, à cette période-là, juste après, ben, finalement, je, je pense que bon nombre de fans ont été euh, déçus du, du départ de Pierce, malgré mais en autre jour, quand même, euh, qui, qui n'est pas un mauvais film, on, on, va, on va le dire aussi, euh, mais, euh, mais très clairement, qui était quand même un peu en décalage par rapport à, à, à ben, finalement, l'arrivée la, de, de Casino Royale. Euh, néanmoins, euh, je, je pense que, très clairement, il était compliqué... Euh, et il sera aussi compliqué parce qu'on parle de, de la fin de Mourir peut attendre, etc. Mais euh, comment on va réussir à ne pas être trop critique sur le prochain acteur qui va arriver aussi Mais en euh, fait, finalement, ce avec... que tu es en train de dire, Ewan, c'est vrai que je, on peut comprendre et je le comprends que les fans aient été déçus. Euh, par Quantum of Solace en regard euh, d'un film comme Casino royal avec toutes les qualités qu'il peut avoir. Même si, comme je l'ai toujours dit, je suis assez réservé sur Casino royal Mais tu vois, je reviendrai à la saga historique. L'avantage avec Guy Hamilton, c'est qu'au moins, il avait le don de fournir des films tous aussi mauvais les uns que les autres. Que ça soit Vivre et s'ébrouiller ou L'homme au pistolet d'or. Allez. Voilà, oh n'importe quoi. Ça fait longtemps. Euh, je crois qu'on vient de perdre. Ah, on, de on, a de ouais, on a perdu on 15 personnes en direct. <laughs> on est d'accord. Merci, <laughs> si tu nous Donc, écoutes. Euh, alors <laughs> et, et, et je, je voudrais revenir sur, sur un, un, un détail. Quand, quand Pierre parlait des voitures qui étaient sombres, mais dans, dans tous les mondes, si on regarde bien, les voitures des méchants sont noires. Oui, oui. Euh, oui c'est vrai. Oui. Dans la majorité du fait. temps. Et, et donc, puis, après, euh... il y a juste une, 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 une DBS superbe, mais qui n'est plus grise, mais grise. Gris Alors, fond. attention, Jean-Jacques, je, je vais justement, parce que maintenant, on a un expert qui est quand même Théo. Euh... Euh, qui, euh, qui nous a quand même fait la remarque, bien évidemment, euh, en ayant passé euh, bah, tous les jours, je pense, à Bonnie Motion euh, à Bruxelles. Euh, effectivement, il y avait les deux DBS qui étaient exposés. Et il faut comprendre qu'en fait, c'était absolument pas du tout les mêmes coloris. Euh, et c'était clair puisque bah, effectivement, la DBS de Casino Royal, euh, on sait comment elle termine. Et hein. d'ailleurs, elle dure 5 secondes dans le film. Peut-être 10. Mmh. Euh, mais, euh, mais très clairement, euh, en fait, ce n'est pas la même euh, colorie du tout. Et est euh, bien elle bien. est beaucoup plus sombre. Euh, donc, euh, donc ça joue aussi. Mais, euh, mais voilà, après, effectivement, il ne faut, il faut pas être épileptique. On est bien d'accord. Euh, je vais juste revenir sur euh, des personnes qui, euh, qui parlent sur le chat. Je pense à Yoann Larané, euh, qui, euh, qui est aussi euh, un ami fidèle. Donc merci, euh, merci de, de, de participer. Tu me dis quoi Que Bond euh, aurait-il éprouvé une forme de rancœur vis-à-vis -vis de Matisse en le jetant dans la poubelle Ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Je pense que c'est aussi une stratégie. Pour moi, euh, Matisse, et, et d'ailleurs ça fera l'office d'un article dans le prochain archive spécial Daniel Craig, euh, par rapport effectivement au personnage de Matisse, il ne faut pas oublier aussi que dans Casino Royale, il a, il a peu de, de, de temps de parole. Dans Quantum of Solace, c'est un des... Sans, euh, alors peut-être que je, je me trompe, mais il me semble que c'est un des plus courts de la saga aussi, euh, pour, ouais. les raisons, pour les raisons qu'on parlait d'ailleurs euh, tout à l'heure par rapport effectivement à la grève des scénaristes et, et j'en passe. Euh, il y avait aussi un enjeu financier, parce que je pense qu'il y avait beaucoup de cash qui était déjà lancé euh, à ce moment-là. Euh, je, je pense qu'il nous manque euh, l'histoire de, 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 de Matisse, et ça j'en suis ouais. persuadé Et euh, et ça fera d'ailleurs l'office peut-être de, de sujet sur le prochain débat. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, merci Johan de ta participation. Euh, et également, qu'est-ce que tu nous disais tout à l'heure euh, Tenu compte du passé entre Matisse et Bond, euh, Matisse est à la base un traître qui a vendu bond pour le chiffre. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Euh, non. Euh, il a été complètement innocenté. C'est d'ailleurs oui. euh, d'ailleurs Mathis lui pardonne. Euh, et justement, euh, on, on parle d'une figure paternelle. Mais si ça n'avait pas été le cas, euh, Mathis aurait justement euh, bah, continué en fait sa retraite paisible et, et, et il n'aurait pas laissé sa vie. Euh, il n'aurait pas été bon tout simplement. Voilà. Euh, Est-ce qu'on a d'autres avis sur le chat avant de passer à la suite Je ne crois pas. Euh, bon, si évidemment. Bah, continuez de toute façon à participer. Ce sera avec un immense plaisir et peut-être Yann euh, ou Pierre je vous laisse jeter un oeil dessus ouais. Alors, en tout cas euh, chers auditeurs donc, sur le forum euh, qu'avez-vous pensé du film Quantum of the donc 0% ont pensé que c'était le meilleur film de la saga euh, 51% ont pensé que c'était un très bon épisode mais sous-évalué donc, euh, donc merci pour vos avis parce qu'on a, on a à peu près 150 avis sur, euh, sur le film euh, également, si votre Camartini, il y a finalement des bonnes idées, 45 quand même, faut à souligner. Et euh, plutôt boire un vesper empoisonné, 4 Il y en a 4 d'entre vous qui ont vraiment absolument détesté ce film, euh, voilà malgré malgré euh, la qualité. Euh, voilà. Euh, je vous propose sans plus attendre de continuer avec euh, l'avis de Lucas qui est actuellement en mission à l'autre bout du monde euh, avec Auréa. On leur fait un immense coucou. Euh, ben, Lucas, on va lui laisser prendre la parole et puis euh, on va se retrouver juste après. À tout à l'heure. Bonsoir à tous. Euh, alors, Canton euh, au Soleil, quoi dire sur ce film Alors, on était très confiants après un, un excellent Casino royal. Eh ben, on n'aurait peut-être pas dû quand on voit le, le, la suite directe de ce film. Donc voilà la spécialité de Quantum of Solace c'est que c'est une suite vraiment directe avec Casino Royale. Ces deux films vont ensemble. Si on regarde Quantum sans avoir vu Casino Royale, on ne va pas tout comprendre de l'histoire. En même temps, le film il nous explique pas grand-chose. Hein. Mais bon là, on va commencer. Euh, donc ce film, c'est un film euh, assez euh, assez sombre pour Bond parce qu'il essaie de se venger de la mort de de Vesper et en fait euh, bah il, il fait rien d'autre il se passe pas grand chose on a une Bond girl euh, Olga Kurilinko qui bah pff, qui fait pas grand chose non plus hein. elle est, elle aussi elle essaye de se venger donc en fait c'est c'est même pas un personnage différent avec une histoire euh, différente de Bond elle essaie juste de se venger donc en fait c'est deux personnages qui cèdent il y a aucune attirance entre les deux contrairement à à tous les autres, les autres James Bond avec les Bond Girls. Donc, euh, est-ce qu'on peut dire que c'est une Bond Girl Je sais pas. C'est, mais voilà, c'est un personnage très fade, euh, qui a pas grand chose, qui apporte pas grand chose à l'histoire. Elle donne juste un coup de main à Bond et puis Bond lui donne un coup de main en échange. Euh, voilà, quoi. On a une autre Bond Girl, euh, Strawberry field euh, qui, bon, c'est encore moins à quelque chose. Euh, elle va juste chercher Bond. Au final, bah James Bond, il, il la séduit, donc. Euh, donc elle le ramène pas et puis elle finit euh, elle finit sur un lit avec euh, du pétrole au lieu de la peinture d'or. Donc là on a un très beau clin d'œil à, à Goldfinger. Voilà. Euh, pour les bonnes girls, il n'y a pas grand chose à dire. Donc ce film, euh, c'est un film qui était prometteur, mais bon, euh, je pense. Il est sorti deux ans après Casino Royale. Et c'est un peu ce qui, qui pêche et ce qui fait que ce film est moins bon. Euh, un film à 200, 200 millions de, de budget, je pense que tu le fais pas en deux ans après, euh, après un film comme, comme Casino Royale. Donc, euh, si, si à l'époque ils avaient commencé à prévoir ce film pendant le, le, le tournage et puis le, le, la sortie du film de Casino Royale, bah, peut-être qu'ils auraient pu faire quelque chose de mieux. Sauf que là, c'est un film qui n'est pas du tout travaillé. Il y a eu les grèves des scénaristes. Daniel Craig a écrit, a écrit euh, des parties du scénario. Donc en fait, ça se, ça se, revoit, ça se voit à l'écran que le film a commencé à être tourné sans forcément avoir de fin, de milieu. Et ça part un peu... Euh, bah, voilà. Il n'y a, de... a pas vraiment une belle histoire continue et c'est un peu le, le souci. On a aussi euh, un très très mauvais montage euh, des séquences avec euh, notamment les scènes d'action. Il y a beaucoup de scènes d'action, des très bonnes scènes d'action d'ailleurs, euh, qui, qui fait que qui donne un petit peu de peps au film. Mais elles sont très très mal montées, avec des cuts partout. Euh, je pense notamment à la scène dans l'ascenseur où Bond, euh, Bond s'échappe. On a James Bond avec trois gardes, et en fait ils sont tous habillés pareil la chemise blanche et puis le costume foncé. Et en fait, euh, on, on voit des scènes des, des, des scènes rapprochées, loin, et en fait on ne comprend rien. On ne sait pas qui se prend les coups, on ne sait pas qui les donne, et puis après on, on voit juste un plan large où as Bond tout seul avec les, les trois au sol, donc voilà, c'est dommage, ça aurait pu être une, une bonne scène qui rappelle un peu euh, « Les, les diamants sont éternels ». Donc voilà, pour le montage, c'est un peu raté. L'ambiance du film, euh, ouais, il voilà, n'y a pas vraiment de, de fond, je trouve. Il y a, y a quelques scènes qui sont très bonnes, notamment la scène finale, où en fait, Bond, il y a une ambiance très très froide, qui va avec le climat, le climat de, avec la neige à l'extérieur, donc en fait... C'est une scène très longue, il n'y a pas de bruit. Et en fait, peut-être que le film aurait été mieux euh, s'il était fait dans cette continuité, plus comment dire, plus plus sur le suspense, un peu comme on voit dans cette dernière scène. On a des très beaux décors avec, euh, avec, euh, avec beaucoup de l'Italie. Donc euh, pour ça, il n'y a, y a pas de souci, le film est très beau. Mais par contre, on retombe un peu dans les travers de Meurt notre jour avec des effets spéciaux qui sont pourris. Euh, voilà, on, a, on rajoute 10 millions dans un film, ils font des effets spéciaux et ça donne de la merde. Voilà. C'est un peu dommage, euh, on, voilà. pas... ça gâche pas le film, mais voilà, c'est on, on, on voit les effets et c'est ça qui, qui rend les choses pas très très bien. On, a, on retrouve Mathis et ça c'est un bon point parce qu'on se rend compte que Mathis au final il n'a pas trahi Bond et que c'était donc un allié et sur ça, euh, sur ça, ça je pense. C'est bien de leur faire revenir pour nous, nous montrer que c'était un, une bonne personne et pas une mauvaise, comme bon de penser. Sinon, tout le reste, bah voilà, c'est un film, comme je pense qu'il y a pas mal de monde qui l'ont dit à sa sortie, qui n'a pas plu, qui n'était pas aux attentes qu'on a eues après Casino Royale. On a eu un Daniel Craig qui a fait taire toutes les critiques. Et, euh, et bah, ils se sont ils ont, sentis pousser des ailes, ils ont fait ça rapide euh, dans la foulée, et ça a donné ce film qui est très moyen. Ça a pu être très bon, il y a des bonnes choses, euh, mais enfin euh, voilà quoi, c'est... Ils cherchent à nous expliquer des choses, donc euh, que c'est une grosse organisation derrière, euh, derrière euh, la mort de Vesper, entre autres. Mais euh, voilà, nous, Bond a l'air d'avoir appris des choses, de savoir, à la fin, euh, il le dit, il se sent mieux. Mais nous, en fait, on n'apprend pas grand chose. Même Dominique Green, quand il le balance dans le désert, euh, il dit à Bond Je t'ai dit ce que tu voulais savoir sur Quantum, mais ok, tu l'as dit à Bond, mais nous, on ne l'a pas vu, donc on ne le sait pas. Donc en fait, voilà, pendant le film, on reste un peu sur notre fin, on attend des réponses, on attend des choses, et bah. bah on n'a pas, pas ce qu'on attend. Donc voilà, euh, vous l'aurez un peu compris, moi, c'est pas un film qui me. Ce pas mon film préféré, loin de là. Je ne l'aimais pas du tout. Je n'aimais pas du tout le regarder. Et en fait, maintenant, à force de regarder. Je, je l'apprécie quand même de plus en plus, il y a quand même des bonnes choses, le film est beau, mais euh, voilà, c'est un James Bond euh, qui. C'est un bon film, mais pas voilà, sans plus, c'est un film à la, à la Jason Bourne, voilà. On va dire ça. Voilà, on va dire ça. Donc voilà, dites-nous votre avis, et puis, euh, et puis voilà. Merci Lucas, merci pour ton avis. Euh, continue ta, ta mission à l'autre bout du monde avec Orea, euh, euh, et surtout, bah, j'espère qu'on aura l'occasion euh, d'avoir euh, d'autres euh, bah, euh, échanges avec toi très prochainement. Et euh, de superbes photos d'ailleurs, merci à lui. Hein. Superbes photos, merci de partager euh, ça pendant que nous on travaille. Euh, merci encore, on apprécie. <laughs> Voilà, euh, on va continuer. Euh, je pense qu'il y a une question intéressante qui, euh, bah, qui, qui pourrait être posée ce soir. Qu'avez-vous pensé de la chanson thème du film Quantum of Solace euh, bah, Du coup, Magali, tu vas te laisser prendre la main. Hein. Oh bah là, c'est pas compliqué. Euh, clairement, j'ai adoré euh, d'entrée de jeu. Puis moi, Jack White, euh, et Alicia Keys, c'est clairement... Euh, là, j'étais pile dans le cœur de cible, en fait. José est en train de, de, de mordre sa lèvre. Bah, vas -y, vas -y. <laughs> ça va bien se passer je <laughs> non mais j'adore honnêtement euh, le, le côté pop rock là on est plus sur un peu plus rock et franchement euh, là aussi je fais partie des gens qui adorent le générique donc euh, l'un dans l'autre bon ben bah, voilà il y, y a ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas c'est toujours pareil mais j'apprécie beaucoup en tout cas mm. okay, ouais, bah, j'aime beaucoup j'aime beaucoup aussi et, la... euh, et bien. je me rappelle comme je l'ai dit dans, dans ma vidéo je me, je me répète mais euh, j'ai fait écouter la chanson thème à un, à un jeune collègue donc on était trois êtres on pas la même génération. Et je crois qu'il a été voir le film parce que je lui ai fait écouter la, la musique. Parce que bon, je ne sais même pas. Certain, je suis pas certain qu'il connaissait le monde avant. Quoi. Donc ouais, c'était amusant. Quoi. Mais, euh, mais moi, j'ai bien, mais ce n'est pas un thème qui me sort par les yeux. Quoi. Je veux dire, de ce côté-là, je me fais... Enfin, euh, c'est dans la continuité. Ça fait partie de la saga, donc euh, ça, me, ça me gêne pas. OK. Euh, Jean-Jacques, vous n'irez pas à un échec de plus. <rire> <Hop>. <rire> non, je plaisante. Euh, Pierre, c'est à toi. Ton avis sur... Euh... La Alors, euh, Alors bon, j'ai grandi avec Charlie Basset et euh, Paul McCartney. Oui. Donc, euh, quand j'ai entendu euh, cette chanson-là à l'époque, elle m'est euh, sortie par les yeux, les oreilles, je l'ai trouvé insupportable. Et. Euh, en revoyant le film et en réécoutant la musique, et là je l'ai mmh. il y a pas longtemps, je disais, ah, finalement, cette musique, elle est pas si mal. C'est comme celle de Madonna que je ne pouvais pas supporter. Et en réécoutant celle de Madonna, je dis, ah finalement, elle est pas mal du tout. Donc finalement, je re mmh. suis revenu sur mon avis sorte. et je la trouve ouais. pas si mal. Ok, parfait. Euh, Yann, ton avis ah, J'aurais tendance à, à mieux... Euh... Ah, euh, ah un as, euh réévaluer euh, la chanson d'Alicia Kills que euh, celle de Madonna euh, Madonna, j'ai beau euh, lui redonner une chance, à chaque fois je trouve qu'il y a beaucoup trop d'électro et tu, quand tu passes à côté d'un travail avec euh, David Ardol qui aurait fait un, un, un superbe job dessus, quoi. mais pour Alicia Keys au départ j'ai pas super accroché et il euh, y a quand même un, un manque de relief mais il y, y a des petites approches qui, qui essayent de revenir à un style un petit peu euh, pop, bondien euh, effectivement, euh, je, je déteste pas le côté pop rock. Après, voilà, elle, elle m'a pas marqué plus que ça, mais euh, je suis prêt à la, à la réécouter sans, sans trop de problèmes. Plus que, que d'autres, plus que celle de Garbage, par exemple. Ok, euh, bah José, vas-y, prends la main. Non, alors déjà, je vais m'inscrire en fou concernant la, la chanson de Madonna. Euh, honnêtement, je trouve que le duo Madonna plus Michel Colombier aux arrangements, bah, ça donne un résultat qui est vraiment, euh, qui est en conformité avec le film. Euh, ça passe bien, c'est ancré dans l'époque. Euh, et puis après tout, c'est du Madonna de cette époque-là. Voilà, bon, ni plus ni moins. Euh, maintenant, en ce qui concerne la chanson thème de, de Quantum of Solace, je dirais que dans la saga de James Bond, on avait eu le combo dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, qui était le combo vivre et laisser mourir la Bob Soler. là, sur Quantum of Solace, malgré que j'ai réhabilité le film euh, entre le générique et la chanson thème, honnêtement, voilà, c'est le combo parfait. Dans la nullité, il euh, n'y a, y a pas mieux. Y a pas mieux. Euh, graphiquement, le générique est absolument immonde euh, par rapport à ceux dont on était habitué avec euh, Maurice Binder ou après avec Daniel Kleman. d'ailleurs. Euh, heureusement que Daniel Clément est revenu ensuite euh, pour euh, Skyfall pour euh pour « Mourir peut attendre » et pour euh, « Spectre ». Bon, encore que « Spectre », on peut en discuter, parce que je trouve qu'il y a un côté euh, crypto-gay qui a tendance un petit peu à me déranger avec ses gros plans euh, sur le, le, le corps de oh. Craig, etc. Pour bon, enfin, oh, une fois qu'il y en, avec, en avait, bref. Avec euh, le, <laughs> cette espèce de poulpe digne d'un film de Godzilla. Euh, enfin bon, j'en passe les meilleurs. Mais non, globalement, je, la chanson-thème, je trouve que ça ne passe pas. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chanson, mais disons que ça ne s'inscrit pas dans ce qu'on peut attendre légitimement de la musique de la chanson-thème Bonde euh, le générique, bon voilà, euh, ça pue clairement l'image synthétique. Il euh, n'y a pas eu vraiment de travail de recherche euh, MK12. Honnêtement, c'est euh, oh pas ça le désert. Alors, alors le là, c'est un, un petit peu abusé. Après, tu le droit de mais Bon, puis j'ai mettre un avis parce que bon, vas-y. Vas <laughs> voilà, euh, <laughs> alors euh, effectivement, euh, moi je rejoins Pierre immédiatement. Euh, voilà, immédiatement. Je... J'ai découvert en fait les anciens Bonds à plus tard euh, par rapport à la génération, mais évidemment quand j'ai entendu Quantum of Solace au début j'ai trouvé ça sympa au ciné et après je me dis quand on voit l'héritage effectivement des chansons de thèmes qui ont été faites avant euh, très clairement euh, ça passe pas. Euh, si je dois retenir des chansons sur l'air Craig, ben effectivement on a You know My. On a Skyfall, bien évidemment, et No Time to Die. Euh, j'ai un peu du mal, effectivement, aujourd'hui, à écouter Quantum, enfin, The Way to Die. Euh, pourtant, Jack White, j'adore. Euh, pourtant, Lich euh, voilà. Et à l'époque, euh, forcément, j'étais un petit peu dans la, dans la peur de l'âge là, là, là Et pour autant, euh, voilà, je n'ai pas cet euh, voilà, immense amour que j'ai à écouter Goldfinger aujourd'hui. Euh, tu citais tout à l'heure. Euh, euh, d'autres chansons thème euh, Pierre mais c'est vrai que très clairement aujourd'hui euh, moi je, je trouve qu'on qu n'est pas au niveau et pareil pour euh, la chanson de Spectre euh, très clairement c'est une des chansons que j'écoute le moins aujourd'hui pourtant la chanson de Sassmiss a quand même une certaine qualité ben, la preuve c'est qu'elle a qu quand même obtenu bien, un Oscar bien, donc euh, pas ça veut quand en même en dire en quelque chose, <laughs> chose. Ouais, je, je me demande encore que, que, comment hein. Ouais, je... Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que Spectre, initialement, euh, un groupe immense avait, euh, avait donné, euh, proposé ça. Comment C'était Exactement. Oh. Ouais. <laughs> avec, mais non, cela dit, ans, il faut quand même. Absolument incroyable. Et parce que tu parlais effectivement du. Enfin, voilà, mais. Euh... On parlait tout à l'heure du, du générique, euh, enfin, les, les images qu'on qu avait. Euh, très clairement, euh, je, je pense qu'il y, y a des choix qui ont été pris à la va-vite aussi à ce moment-là. Peut-être. Euh, voilà, après maintenant, encore une fois, ça fait partie euh, bah, de, de l'héritage qu'on a par rapport à ce film-là. Bien sûr. Je pense qu'il faut accepter, il faut choix. le choix. Euh, heureusement, on a, on, voilà, après, évidemment, on a tous notre affinité par rapport à, à certaines musiques ou autres. Euh, voilà, mais, euh... mais, ouais. Après, ça dépend et, et aussi. Je disais, je disais tout à l'heure que pour moi, euh, quand soleil souffre d'être entre deux très grands bonds qui sont euh, Casino Royale et Skyfall. Mais quand on le prend après, on, prend, on essaye de prendre Quantum un peu séparément. Euh, pareil, le, le générique de, de Casino Royale est incroyable, celui de Skyfall est magnifique. La chanson titre euh, de, de, de You Know My Name, elle est, elle est à tomber. Euh, Skyfall, c'est d'une beauté incroyable. Et, et c'est vrai que ça a souffert de ça. Si on le prend indépendamment, on le sort de ça, de cette espèce de deux monuments euh, qui l'entourent finalement, tu réécoutes la musique, tu dis ouais, elle est pas mal. Bon, par moment, Alicia Keys, quand elle pousse les vocalises, elle chante faux. C'est dommage. Dans mais les tu ne oh, pas entendu alors. <laughs> non, mais après, après attention. Ouais, ouais, parce... Moi, je je elle tiens à... chante faux par moment. Oui, oh, mais, mais, même mais, et, et même le générique, quand j'ai revu le générique, je trouvais dégueulasse au début. Ah, oui. Quand je le revois après, un peu séparé des autres, un peu à froid, je dis ah, finalement, il est. Il n'est pas très bon, mais il n'est pas si mauvais que ça. Voilà. Pierre, je te propose de regarder en fait les images sans le son et tu verras que tu vas et José, je te propose de faire la même chose. Non et, mais euh, José je l'ai Vraiment, maintenant, vraiment. maintenant mais je vais essayer mais... de, 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 de tempérer oh, un oui. petit peu pardon, mon, mon, mon point de vue. C'est vrai qu'effectivement, Another Way to Die euh, est quand même un chef-d'œuvre en comparaison, par exemple, avec The Experience of Love d'Eric Serra. Ça, on est, est d'accord. Ça ne s'inscrit <laughs> pas dans un <laughs> James Bond, pour moi. Même si c'est sympa, ça ne s'inscrit pas junior, dans. En chanson, indépendamment, et c'est très juste ce que tu dis, José, c'est qu'effectivement, indépendant d'un Bond... Euh, elle peut être sympathique. Oui, oui et mais ça ne s'inscrit exactement... pas dans le cadre d'un monde. Les deux oui. chansons, aussi oui, bien non, celle d'Eric Serra que celle oui. de Alicia Keys et de Jack White, euh, sont des bonnes chansons, mais disons qu'elles ne s'inscrivent pas dans l'héritage dans et dans la continuité. Elles ne sont pas adaptées à James Bond. Je suis complètement d'accord. Voilà. De ce côté-là, est-ce que c'est justement, en fait, euh, comme il y a eu la grève des scénaristes, ils n'étaient pas certains du film, est-ce qu'il est, qu est réu réussi ou pas est-ce qu'ils n'ont pas voulu attirer un public plus jeune à Bond C'est probable, c'est probable. Je crois que ce n'était pas eux qui étaient prévus, ce n'était pas Alicia qui était prévu, mais je ne sais plus qui devait faire le chanson. Ce Mag tout à l'heure, c'est. Attention, c'est après, parce que du coup, il y avait une qui était en liste, mais là, pour le coup, c'est après. Radiohead était en liste pour. Il y avait Radiohead, là, Spectre, Spectre. Mais ils ont. Radiohead a fait la chanson Spectre, elle existe, elle est là. Oui oui bien ouais. sûr elle est là et elle est excellente c'est pour ouais. ça que d'ailleurs j'ai et depuis que je l'ai écoutée, euh, effectivement Sam Smith j'ai un peu du mal mais bon mais euh... <laughs> et... et... ah bon attends ah. oui. attends ouais. quand tu écoutes quand tu écoutes la chanson de Charlie basset composée euh... par David Arnold non. mais ça c'est ah oui. bah, ça, encore un débat <laughs> sûr quantum of soleil parce qu'elle était prévue euh, David Arnold dit non mais vous avez les mêmes notes que dans le film quand on écoute la chanson de Charlie Basset composée par David Arnold, No Good About Goodbye sur le générique de Quantum of Solace, tu te dis oh putain ils sont passés à côté. Ben te... C'était ça alors ouais, c'était ça qui était prévu à la base. Oui. Hein? Après, il y a une histoire de génération aussi, forcément. Et... Enfin, ah, forcément, Il y, y a une histoire de déperdition aussi, mais ça euh, aussi. Ça dépend des générations et des artistes qui percent. Hein. Mmh. Charlie euh... Basset, ça ne parlait pas euh, euh, au public. Oui. De... C'est un, un truc de vieux, c'est clair. Bien <laughs> sûr. Enfin, c'est un truc de vieux, mais enfin, très clairement, tous les week-ends, je l'écoute et, et je regrette <laughs> encore de ne pas avoir. <laughs> as et, euh... passé un cap Ça <laughs> passé un cap, mais je, je... ça m'est égal Très clairement, euh, effectivement, <laughs> je préfère écouter Charlie Basset aujourd'hui qu'à tout Today. Il y a il y a pas de problème ou encore Madonna même si j'apprécie à l'époque parce que bon encore euh, voilà ce qu'on disait c'est une histoire de génération aussi mmh. mais pourtant c'est voilà j'apprécie quand même écouter la chanson de Madonna parce que, ce que tu disais tout à l'heure il y a beaucoup d'électro José etc mais je suis d'accord avec toi ça s'inscrivait à cette période-là. Par contre, je suis pas trop d'accord avec la chanson "No Way to Die", mais bon, ça passons. Juste, il y a pas mal de personnes qui réagissent sur le chat. Enfin, Patrick est arrivé. Patrick Sanzano bonsoir, tu nous as manqué, on s'inquiétait. Donc bonsoir à toi, Johan. Il est pas venu avant parce qu'il savait qu'on parlait de l'homme au pistolet. Non, parce qu'il a quand même commenté en disant que heureusement que ce film est le plus court de la saga. Euh, voilà, donc ça, ça veut tout dire, merci. <laughs> Salut. Euh, ah, messieurs, il euh, y a des commentaires sur Gemma Atherton, etc. Ah On va passer, euh, n'est-ce pas? Ah euh, euh, ou sur Olga Kurylenko Bon, pff, après, euh, je pense encore une fois, le personnage de Gemma Atherton était quand même assez intéressant. Oui, même oui. s'il si oui. a été raccourci, c'est un petit peu dommage parce que son ouais. personnage aurait pu avoir euh, plutôt, plutôt pas mal de choses à dire. Ça, ça rôle à grave oui. Ouais, c'était un rôle un petit peu, peu bâtard, on est bien d'accord. Ouais. Euh, Johan, qu'est-ce qu'il nous dit Effectivement, Another Way to Die, ça a été écrit euh, avec une classe de CE2. Pourquoi pas <laughs> Voilà. Euh, merci pour ces oui. commentaires en tout cas. Voilà, n'hésitez pas à, à continuer. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu a encore Bon, j'ai perdu le fil. En tout cas, si vous voyez d'autres commentaires sur le chat, n'hésitez pas à me le dire ou à me couper. Euh, pour poursuivre, euh, il est 22h11, on va poursuivre un petit peu euh, sur la continuité. Euh, Quantum of Soleil, ça a été aussi euh, le retour de James Bond euh, au niveau des jeux vidéo. Donc je vais juste faire une petite parenthèse là-dessus parce que ça fait l'office d'un article, d'ailleurs, que j'ai écrit pour... Euh, euh, pour le, le, le prochain archive Daniel Craig il euh, y a eu donc, le jeu Quantum of Solace qui est sorti euh, et je tiens à en parler ce soir parce qu'il y a une petite particularité que peut-être euh, tout le monde ne sait pas euh, sur ce jeu là euh, il faut euh, d'abord juste euh, une, petite, euh, une petite aparté. Initialement, il y avait un jeu qui était prévu euh, pour euh, bah, nos amis passionnés de jeux vidéo, euh, qui était quand même euh, bah, finalement Casino Royale. À l'époque, Electronic Arts avait absolument euh, bah, 100% euh, bah, l'autorisation d'assister euh, et d'avoir des informations en amont du tournage, etc., pour proposer un jeu d'excellente de, qualité. Euh, je pense qu'à l'époque, Electronic Arts. Euh, était un petit peu bah, finalement trop pressé d'avoir euh, bah, finalement la poule aux odeurs. Euh, bon, vous aurez les détails dans l'article, mais grosso modo, euh, ils étaient complètement en retard bah, finalement par rapport euh, bah, aux attendus du film. Donc la MGM a dit no go, on arrête et puis on passe à autre chose. Donc finalement, euh, on a quand même eu un jeu vidéo euh, Quantum of Solace à l'époque j'ai eu l'occasion de découvrir sur la console. Et je tiens à faire une parenthèse et je vais vous la proposer ce soir parce que euh, ça me paraît important d'en parler. Il euh, y a une cinématique. Euh, dans le, ce fameux jeu vidéo qui a été euh, bah, finalement, une fois qu'il a été euh, édité, euh, qui a été rattrapé euh, parce qu'il y a une cinématique importante à la fin du jeu, euh, qui est euh, en fait une scène où, où Bond euh, infiltre une villa. Et à l'intérieur de la villa, il y a Monsieur White et Guy Hands euh, qui est un méchant euh, du film qu'on voit notamment à la scène de l'opéra à Bregenz. Euh, je vous propose de regarder euh, rapidement cette, euh, cet extrait et puis euh, voilà, bon, on, on s'excuse puisqu'il est en anglais mais je vais vous le commenter juste après euh, José, je, je te laisse lancer le, le, petit, le petit clip The organization is perfectly safe. Go back. Show me the last part, the diagram. I'm going inside. We need Haynes alive. Remember that. Well, then, I don't know what else to tell you, White. Perhaps you misunderstood Quantum's philosophy. We don't embrace people who get noticed. It wasn't your fault, but they know who you are. Mr pense I think it's about time you stop talking to Quantum and start talking to me. Who the hell are you? Bond. James Bond. Bon, alors très clairement, qu'est-ce que signifie ce clip pour ceux qui ne parleraient pas anglais euh, Grosso modo, donc James Bond arrive euh, bah, finalement euh, et abat monsieur White et laisse euh, guy Haynes euh, en vie pour la continuité de sa mission. Euh, donc, euh, je rappelle, cette cinématique n'existe pas dans les jeux vidéo. Euh, pourtant, elle a été créée, euh, elle avait été déjà euh, lancée. Il y a eu des mises à jour euh, sur certaines consoles qui ont permis finalement que cette cinématique disparaisse. On vous l'a proposé ce soir. Euh, donc, euh, la question est est-ce qu'effectivement, en 2009, ils avaient déjà l'intention finalement euh, de poursuivre avec le personnage de M. White, puisque M. White est quand même un, 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 un élément, euh, on va dire, primordial, euh, euh, si ce n'est, euh, on va dire, euh, au niveau pyramidal, sur, sur l'arc Craig, euh, qui, est, qui est vraiment, euh, vraiment très important. Euh, selon vous, est-ce que, justement, c'était un choix stratégique parce qu'ils avaient déjà anticipé le fait qu'effectivement, euh, ben, M. White, c'était le papa de Madeleine, et on, on connaît toute sa suite, euh, ou pas euh, euh, voilà, donc je vous laisse prendre la parole euh, si, si vous le souhaitez. Non, non, moi tu ne me feras jamais gober ce genre de truc. Non, clair. Euh, moi je pense que les scénarios après Quantum of Solace ont été écrits au fil de l'eau et le hasard a voulu que le personnage de Monsieur White revienne dans Spectre. Euh... <laughs> On a essayé ensuite de rapprocher euh, Silva avec euh, le spectre, avec Quantum, etc. Mais je pense qu'en en, en 2009 ou en 2008 ou même en 2007, quand le scénario de, de Quantum a été écrit, euh, quand il a, même quand le film a été tourné, on n'avait aucune vision, et les scénaristes et les producteurs n'avaient aucune vision de ce que deviendrait la série par la suite. La preuve, c'est qu'on a parlé longtemps, en 2015, du départ de Daniel Craig à l'issue de son quatrième film. Et il est revenu... Euh, pour un cinquième, c'est-à-dire mourir peut attendre, euh, grâce aux internoiements et aux supplices, aux supplices, pardon, de Barbara Brocoli. Merci José pour ton avis. Euh, néanmoins, ayant joué au jeu vidéo euh, Quantum, euh, je, je, je rappelle pour ceux qui n'auraient pas connu le jeu, il euh, y a eu euh, ben, finalement. Euh des personnes qui, qui savaient que le film ben, enfin le jeu de casino Royale allait sortir euh, il y a eu des flashbacks par rapport à ce jeu vidéo là et même si on, on en reconnaît une certaine qualité mais assez médiocre par rapport à l'époque et, euh, et les enjeux qu'il y avait puisque la, la playstation 2 était à l'époque vraiment euh, en fin de vie il y avait la, la playstation 3 initialement qui, euh, ben, qui était euh, mm -hmm. la voilà, console du moment euh, globalement euh, pour quelle raison? Sachant qu'ils ont quand même écrit la continuité du film Casino Royale, puisqu'en fait, si vous voulez, le, le jeu démarre, euh, Quantum of Solace, le jeu démarre en fait dans la villa de M. White quand il lui tire dessus, à la fin de Casino Royale. Alors, euh, ma question est il euh, y a une continuité, une chronologie logique par rapport à tout ça On revit des moments de Casino Royale qui n'ont pas existé et néanmoins qui sont crédibles par rapport à, à la, au scénario du jeu en lui-même euh, je vous laisse éventuellement regarder sur YouTube. Vous avez la possibilité de regarder en fait des, ce qu'ils appellent des let's play en français ou en anglais, où les personnes en fait jouent le jeu en totalité et vous permettent d'avoir la continuité du scénario avec les cinématiques. Donc c'est hyper intéressant. Je vous laisse regarder directement sur YouTube pour, pour ça, ou sinon me poser la question, on vous communiquera les liens avec grand plaisir. Néanmoins, pourquoi avoir fait un scénario bien complet sur un jeu vidéo et puis avoir une finalité du jeu et puis revenir dessus et se dire, euh, finalement, on ne va pas faire mourir M. White, alors que finalement, ça aurait pu être hyper intéressant euh, d'avoir euh, bah, cette cinématique-là, et puis d'avoir cette fin. Euh, moi, pour moi, ce pas anodin, euh, et parce que euh, j'ai eu la, la chance et l'opportunité à l'époque d'avoir joué aux jeux vidéo, et, euh, et d'avoir eu le plaisir d'y de, de, rejouer encore. Donc, euh, après, si quelqu'un veut prendre la main dessus pour donner son avis, le fait que M. White euh, soit, soit mort. Est-ce que quelqu'un veut commenter, je pense Par rapport au jeu, je ne sais pas, parce que moi, je n'y pas joué. Mais ouais. c'est vrai que euh, le côté de ne plus revoir le personnage de, de M. White à la fin, c'est mmh. peut-être un petit peu dommage sur le film. Par rapport au film, je parle. Hein. Oui, non, mais après, euh, moi, pour moi, c'est une cinématique qui dure une minute. On, on, vous l'avez vu avec nous, euh, chers auditeurs. Euh, le fait qu'effectivement, euh, cette cinématique ait été supprimée alors qu'elle avait été créée et que bah, fondamentalement, dans le scénario du jeu, ça reste qu'un jeu vidéo. Voilà, que quelles étaient les chances finalement que, que Monsieur White réapparaisse après, euh, sachant qu'on a eu Skyfall entre temps. Euh, pour moi, cette option entre guillemets avait été laissée et qu'ils avaient déjà un éventail assez large de ce qu'ils voulaient ou une finalité bien précise. Et pour moi, c'est pas anodin. Après, euh, je peux vous laisse. Alors, nous donner... moi j'aurais peut-être, euh, peut un, un, un avis là-dessus. Je suis pas gamer, donc je joue très. Très peu, quasiment jamais, des jeux vidéo. Alors, est-ce que, est que tout simplement, il n'avait pas encore racheté les droits de Spectre et de Blofeld, etc. Alors, est-ce que Quantum n'aurait pas dû, par la suite, avoir plus d'importance Et est-ce que Mr. White il était peut-être prévu qu'il ait peut-être encore plus d'importance par la suite Est-ce que ça ne serait pas finalement lui le chef, etc. C'est une hypothèse, mais là je, je... pas d'éléments qui me permettent de le dire. Oui, plus, Après, regardé euh, je... en je... joker. Mmh. Comment C'était regardé un okay. comme une carte à joker en fait. Oui, mais bon, finalement, euh, ça reste quand même un import... enfin, un personnage important au début du film. Il arrive à s'échapper et on le revoit Bréguen, etc. Bon, perd perd mmh. le film. sur Monsieur White, il disparaît complètement. Le jeu vidéo réhabilite le personnage, donc c'est hyper intéressant finalement. Mmh. Et d'un coup, finalement, euh, ils font machine arrière sur une cinématique qu'ils ont déjà faite, qu'ils ont déjà créée puisqu'elle est disponible. Enfin, vous l'avez vu. Euh, ils ont essayé un petit peu, d'ailleurs, de faire en sorte qu'elle qu ne paraisse pas trop à l'époque. Euh, et ça, euh, donc, euh, comme je le disais, j'en parle sur l'article. Mais euh, moi, pour moi, c'est pas anodin. Je pense qu'ils s'étaient laissé plusieurs pistes parce que ils avaient quand même déjà euh, dans l'idée quand même de faire une continuité sur, la, sur tous les films de, de Laird Craig. Euh, et, et je pense quand même que dans Quantum, ils ont mis. D'ailleurs, quand il vient à, l à la scène de l'opéra, qui, qui est extraordinaire, euh, qui est une meilleure scène du film à mon sens, euh, il y a plusieurs personnages hyper intéressants qu'il arrive à photographier. Euh, le, le jeu vidéo aurait pu partir justement sur ces personnages-là. Et justement, il y a guys Hands. On ne sait pas trop ce qu'il va devenir. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Euh, on sait que c'est un euh, finalement une figure importante du gouvernement britannique, mais on ne sait pas clairement quelles sont ses possibilités. Euh, voilà, donc je, je, je pense qu'il y avait pas mal de euh, finalement de possibilités de scénario et que clairement ça n'a pas été fait de manière à nous. Dire. Après, ça, ça ne reste que mon avis. Voilà, euh, je vais continuer sur la partie du jeu vidéo, puisque juste une petite aparté, il y a eu juste après un, film qui, euh, enfin, un jeu vidéo qui s'appelle Bloodstone, qui aurait tout à fait euh, fait l'office d'un film. J'en parle également dans mon article. Euh, très clairement, je vous invite également à regarder le Let's Play du Bloodstone euh, en question en français. Euh, très clairement, on a une, une continuité, un scénario qui est hyper intéressant. Euh, également, une qualité de jeu vidéo qui n'a rien à voir avec Quantum, qui était déjà à un niveau supérieur. Euh, et qui aurait pu être totalement une histoire euh, ajoutée à un film vraiment spécifique à Daniel Craig, euh, sans avoir de continuité avec euh, ben, l'arc Craig qui a été fait, un petit peu comme, euh, comme Skyfall. Euh, et, et je tiens à souligner que, euh, ben justement, ça reste un jeu vidéo qui, est, euh, qui, a, qui a vraiment été hyper intéressant, et euh, ceux qui y ont suivi après n'ont pas été d'une qualité similaire. Voilà. Mais en tout cas, je vous laisse découvrir ça parce qu'il y a un scénario qui a été fait. Il y a une musique, euh, une bande originale qui a été faite par David Arnold. Euh, très clairement, il y a quand même un univers bondien. On a une, une chanson de thème qui est hyper intéressante aussi. Euh, des cinématiques qui sont d'excellente qualité. Euh, donc, je vous laisse regarder avec, si vous avez la curiosité de regarder un petit peu euh, bah, finalement le, la continuité du jeu vidéo avec le, le, ce qu'ils appellent le Let's Play. C'est-à-dire, effectivement, mm. vous avez une personne qui joue en direct au jeu vidéo comme si, euh, bah, vous étiez devant avec votre manette, voilà, et donc euh, vous, avez, vous avez évidemment pas euh, de, euh, de publicité, etc. donc ça peut être intéressant pour ceux qui sont curieux. voilà. Euh, on va continuer avec euh, bah, finalement l'avis de, de pierre, mais euh, pas sur le film, plutôt sur la partie euh, quantum of solace qui reste euh, initialement euh, un roman. et c'est une chronique que je vous invite à, à écouter avec une grande attention. Euh, parce qu'on parle de Quantum of Solace, ou euh, comme tu dirais, euh, Personne de Chaleur, c'est ça euh... minimum, minimum de réconfort. Minimum de réconfort, bon <laughs> bref, il y a plusieurs traductions par rapport à ça. Euh, Le, titre, en fait, de nouvelle, nouvelle, Le titre de la nouvelle, c'est une nouvelle, c'est pas un roman. Le titre de la nouvelle, c'est Chaleur humaine. Ouais. Chaleur humaine, exactement. Euh, exactement. Mais, mais, tu sais quoi euh, Je vais te laisser en parler sur ta chronique, vite euh, et on, on reprend l'antenne juste après. Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons évoquer donc la nouvelle de Ian Fleming Quantum of Solace. Quantum of Solace donc est une nouvelle de Ian Fleming qui est parue dans le recueil de nouvelles For Your Eyes Only qui a été publié le 11 avril 1960 en Grande-Bretagne par Jonathan Cape illustré donc par Richard Chopping et qui a été publié la même année aux États-Unis par Viking Press. Le recueil de nouvelles a été publié en France en 1961 dans la collection Interespion, dans une traduction de Jean Messin. Il faut savoir également qu'en fait, la nouvelle Quantum of Solace ne paraît pas dans cette traduction qui n'est pas vraiment une traduction des nouvelles, c'est plutôt un choix de trois nouvelles donc, du recueil qui sont artificiellement liées entre elles par un fil rouge un peu bâtard qui transforme ces trois nouvelles en un roman, mais c'est assez raté et c'est assez mal traduit, comme euh, la plupart des traductions de la collection Interespion. Il faudra attendre 1965 pour qu'on ait une traduction donc du recueil For Your Eyes Only sous le titre Bon baiser de Paris, où là on aura donc les euh, cinq nouvelles dans une traduction de Jean-François Crochet et H. Nolp, qui est à ce jour la dernière traduction. Il n'en a pas connu d'autres. Malgré de nombreuses rééditions sous diverses couvertures, la nouvelle donc s'appelle en français Chaleur humaine. Alors, elle connaîtra une réédition en 2008 lors de la sortie du film Quantum of Solace. La nouvelle Quantum of Solace sera rééditée dans un recueil qui réunit donc toutes les nouvelles de Ian Fleming sous le titre Quantum of Solace, qui était un peu fait pour profiter du succès du film. Alors quel rapport entre la nouvelle Chaleur humaine et le film Quantum of Solace Eh bien rien, si ce n'est le titre. Sinon l'histoire n'a rien à voir. C'est une nouvelle un peu particulière. Ceux qui veulent découvrir de l'action, des poursuites, des coups de feu, de la séduction et James Bond même risquent d'être déçus. James Bond dans cette nouvelle n'est qu'un témoin. Il n'est là que pour écouter une histoire. Donc euh, James Bond, alors au début, il y a effectivement un petit peu d'action parce que James Bond lutte contre des castristes qui luttent contre le gouvernement de Cuba. suite à ça donc euh, il se retrouve chez le gouverneur des Bahamas et il se retrouve dans un repas euh, avec euh, donc plusieurs personnes et un repas assez ennuyeux à côté de lui, il y a une anglaise euh, un peu exubérante qui a épousé un riche canadien et, euh, et il la trouve euh, pff, très ennuyeuse. Et après le repas, James Bond se retrouve euh, en tête-à-tête tête avec euh, le gouverneur des Bahamas, à boire un peu de, donc de, de, de cognac, un peu de brandy, et le gouverneur des Bahamas lui raconte une histoire. Et euh, c'est l'histoire d'un de ses amis, quelqu'un qui travaillait avec lui au gouvernement qui était euh, employé donc euh, au niveau des colonies euh, au Nigeria et qui se retrouve euh, muté aux Bermudes et lors d'un de ses voyages donc euh, aux Bermudes il fait la connaissance d'une hôtesse de l'air dans l'avion ils tombent tous les deux amoureux ils se marient ils vivent euh, dans les Bermudes et euh, donc euh, cet homme s'appelle Philippe Masters Rencontre donc cette euh, hôtesse qui s'appelle Rhoda Liewelin. Alors euh, petite anecdote amusante, bien sûr, qui n'est qu'un hasard, mais Liewelin, c'est le nom de donc de l'acteur Desmond Liewelin qui joue Q dans de nombreux films de la saga James Bond jusqu'à sa mort en 1999. Bien sûr, ce n'est qu'un hasard. Cette hôtesse de l'air, au début, tout va bien, et puis euh, elle s'ennuie un peu. Donc son mari lui offre des cours de golf. Donc elle s'initie au golf et elle fait la connaissance du professeur de golf, qui est une sorte de Playboy, qui roule en belle voiture, et qui la séduit. Et elle vit une espèce d'histoire d'amour avec ce Playboy, ce professeur de golf. Et bien sûr, cette histoire d'amour qui est rendue publique et l'ex-hôtesse de l'air s'affiche publiquement et n'a aucune honte donc à tromper son mari euh, aux yeux de tout le monde. Et bien sûr, ça a un effet euh, assez dramatique sur la psychologie et sur l'état mental de l'agent du gouvernement, Philippe Masters, qui se met à déprimer, qui se met à boire, qui devient alcoolique, qui tombe dans un état dépressif et catastrophique. Et puis euh, même ses amis essayent de l'aider, etc. Et puis finalement. L'histoire, l'idylle entre l'hôtesse de l'air et le professeur de golf, les boys, finalement cette histoire se termine parce que la famille du riche professeur de golf euh, déconseille de rester avec cette femme, et bien sûr il obéit un petit peu aux consignes familiales, et l'hôtesse de l'air, donc Rhoda Masters, revient auprès de son époux. Et c'est là qu'elle se rencontre, compte que elle qui espérait qu'il allait l'accepter, et eh bien euh, il n'y a plus rien, il n'y a plus la moindre chaleur humaine chez lui, et il va se mettre à la mépriser, il ne lui accorde plus aucune attention, plus aucun amour. Et il ne la récupère pas, rien entre eux, il sépare les chambres et il n'y a plus aucune chaleur humaine, aucune attention en tout cas pour sa femme. C'est ce que d'ailleurs le gouverneur appelle le minimum de réconfort. Lorsqu'il n'y a plus entre les gens, lorsqu'il n'y a plus ce minimum de réconfort, lorsqu'il n'y a plus aucune chaleur humaine, aucun quantum of solace, eh bien les individus peuvent être absolument effroyables et donc ils la laissent dans un état catastrophique. Il la laisse sans un sou, et il s'en va. Il repart. Il est muté. Et elle se retrouve seule. Puis finalement, elle a la chance de rencontrer un, un Canadien qu'elle va épouser et qui va un peu la sortir de cette situation-là. Et James Bond apprend à la fin que finalement, la femme ennuyeuse qui mangeait à côté de lui, eh bien, c'était cette fameuse femme. Et il se dit que finalement, parfois, les relations humaines entre les couples peuvent être tout aussi violente que les histoires d'espionnage et de crime. Voilà. Nouvelle, donc, qui peut dérouter, mais qui est une magnifique étude de la psychologie humaine et magnifiquement racontée par Ian Fleming, une histoire absolument passionnante et je vous invite à la découvrir. Merci, bonsoir. Merci Pierre pour cet avis sur Chaleur humaine, aka Quantum of Solace, la nouvelle. Merci, c'était hyper intéressant. Pour les personnes qui auraient pris effectivement la chronique en cours de route, vous aurez la possibilité évidemment de la voir sur une chronique bien indépendante euh, et vous pourrez retrouver cette chronique d'excellente qualité. Merci Pierre pour ce travail euh, et d'avoir décortiqué pour nous cette nouvelle avec des petits extraits un petit peu sympathiques finalement euh, qui mettent en image la nouvelle. Au goût du jour, merci, merci à toi. Donc oui, euh... d'ailleurs, ouais, ça tombe bien que oui. tu parles de ça, Ewen, parce que là, on va reprendre progressivement, euh, comme vous l'avez connu à une époque de la chaîne, il y a à peu près 6 mois en arrière, le, un rythme, je dis pas aussi soutenu que ça, ça l'était à une époque, mais disons qu'on va recommencer à sortir des chroniques, etc., dont notamment les chroniques littéraires de Pierre, qui feront l'objet d'une diffusion euh, séparée en dehors des lives, avec un habillage un petit peu spécifique, etc. Mais bon, le gros du contenu restera euh, sensiblement euh, identique. Voilà. Le gros, gros c'est moi, d'air. N'importe quoi. Bref, sans transition. Euh, donc, euh, on va, juste avant de lancer les débats, euh, faire un petit jeu, parce que vous savez que j'aime bien les petits jeux. Euh, donc, c'est très simple euh, pour nos auditeurs. On, on va vous diffuser... Euh, pour extrait de Quantum of Solace pour vous remettre un petit peu dans le contexte. Euh, moi, en fait, aux personnes qui sont autour de moi, ils ne sont pas au courant ce soir, mais je vais leur demander en fait, d'interpréter euh, en direct un personnage du film de Quantum of Solace. Euh, je vais distribuer les rôles au, au, au fil de l'eau. Euh, et effectivement, euh, vous, chers auditeurs, je vais vous diffuser un court extrait. Et euh, ben, le but du jeu, c'est simple. Hein, en fait, c'est d'imaginer les dialogues qui n'existent pas dans le film et qui auraient pu exister. Donc, évidemment, tous les coups sont permis, sérieux, drôle, imaginaire. Voilà, chacun va pouvoir. Euh, voilà, ça, ça va faire part un petit peu de l'info. Ça peut être sympathique. Voilà. Euh, ben, je vous propose de faire un petit test pour vous mettre en haleine. Euh, je vous laisse regarder l'extrait. Ça va être effectivement ben, le, la fin où Bond ouvre ben, finalement le coffre de sa voiture et il dit Terminus. Et il y a Monsieur White dedans. Je vous laisse découvrir l'extrait tout de suite. Allez, on est en ligne. Parfait. Attends, je n'ai pas compris. On doit do wow, donner des, des dialogues, mais euh, ils ne seront pas en direct Ah non, Si, non. direct. Ils seront il en direct. En suite, fait, allez. Je vais vous désigner On le va. personnage. Et, et en fait, euh, il faut spontanément euh, avoir le dialogue d'une scène qui n'existe pas, je le rappelle. Hein. Attention. D'accord. Ah, d'une scène de rien, de... À voir... mais, euh... rien à voir avec euh, <laughs> la scène euh, que tu diffuses. Non. D'accord. Ah, euh, C'est le droit de la suite. suite. La suite. La suite. Mais ça n'existe pas. Second degré ou pas ah bah là, ah, comme, comme, vous vous voulez, comme vous voulez, comme vous voulez, vous êtes entièrement vous libre. Ça <laughs> donc, la scène vient d'être diffusée, donc c'est euh, le commandeur Bond qui ouvre euh, le coffre dans un stone martin dans lequel il a enfermé M. White. Donc, euh, ben, en fait, en test, ben, tiens, mais José, puisque tu prends la parole, ben, je vais faire Bond et toi tu vas faire euh, ben, Monsieur White euh, donc, bah, écoute, euh, j'ouvre le coffre et puis euh, je dis Terminus. Qu'est-ce que tu me réponds bah ouais, Je te dirais, franchement, pour une voiture aussi chère, une Aston Martin, j'ai trouvé ça vraiment très peu confortable. Euh, ok, d'accord. Mais qu'est-ce que tu aurais préféré une autre Esprit et, euh, Si j'avais été un petit peu. Euh, pourquoi pas, si j'avais été un petit peu. Euh, ouais, de la jaquette, peut-être que. Euh, voilà. Et tu voulais pas que je roule en renonce non plus Qu'est-ce que tu me réponds à Ça à rien bon, On lance le générique Ok, d'accord. Bon Ça marche. Ça, marche. Ah, Ça oui, fonctionne, c'est cool. Euh, je vous propose de découvrir une scène. Euh, ben, on, on va partir sur... Euh... Bon, euh, vous voyez la scène où euh, finalement Matisse et Bond euh, sont sur, le, sur sa villa. Euh, Bond essaye de, de, de permettre à, à, à Matisse de le rejoindre dans sa mission puisqu'il n'a à ce moment-là plus d'argent, euh, plus, de, plus de crédit sur ses cartes, etc. Euh, il n'est plus officiellement agent double zéro et il vient chercher Matisse dans sa villa pour le rejoindre à sa, euh, ben, à sa mission, pour lui permettre effectivement de continuer son investigation. Euh, je vous propose de découvrir l'extrait et puis ensuite je, je vais proposer les rôles. Oui, d'accord, je vous en décalage. Je... C'est à vous. Ok, parfait. Euh, bon, alors, pour cette fois, donc je le répète. Donc, euh, ben, finalement, le au niveau de la scène, Matisse euh, euh, est rejoint par Bond dans sa villa. Euh, il y a actuellement donc sa femme qui est présente. Euh, donc, Jean-Jacques, euh, tu vas être Bond ce soir. D'accord oui. Donc, tu es dans la peau de James Bond dans la villa. Euh, et euh, la scène donc c'est le moment où en fait euh, il propose euh, à Matisse de partir en mission, de le rejoindre euh, à Haïti et euh, ben, Matisse sera joué par Pierre ce soir. Euh, en fait, l'objectif, c'est euh, ben, d'avoir un petit peu le dialogue, euh, voilà Matisse va laisser sa femme qui est juste à côté euh, sur le ouais. transat je vous rappelle euh, qui est quand même euh, vraiment euh, bah, très jolie et, euh, et globalement euh, voilà il en veut un petit peu à Bond, etc donc bah, je vous laisse essayer de, de voir euh, ce que vous voulez en faire de, de cette scène bah, c'est dommage parce que là c'est décalé donc j'ai du mal à me situer à pouvoir dire à quel moment je vais, je vais parler quoi. alors ça c'est parce Comment que as tu fait... imagines dans tous les cas elle n'a pas eu lieu cette scène elle n'a pas eu lieu la scène en fait Ouais, ouais, en par par rapport à une scène, juste pour rappel, Bond en fait euh, propose à oui. Mathis de partir en mission. Il regarde un petit peu euh, sur le coin de l'œil, donc on sait qu'il regarde sa femme. Et globalement, euh, globalement en fait, ça passe à la, directement à la scène de l'avion. Donc, en fait, dans l'idée, si vous voulez, je vais vous lancer. Euh, je vais vous lancer, euh, bah, Pierre. Peut-être que tu, tu peux, euh, tu peux, tu peux lancer en lui disant. Euh, bah, Qu'est-ce que j'ai à gagner à partir en mission Ouais, de... c'est ça, c'est ce que je pensais. Après Qu ce que tu m'as fait. Euh, ouais. Et toi, et toi peut-être, Jean-Jacques, partir sur, euh, bah, sur le fait que, en gros, euh, j'ai besoin de toi et tu sais très bien que je me suis trompé. Euh, voilà, après, dans l'idée. Euh... Ouais, ouais, mais là, tu te Moi, j'ai mon idée. Après, un petit que vous peu Éven Éventuellement, tu peux répondre en fait, que ça, ça te permettra de collecter des, 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 points, des points flying blue Voilà, c'est tout. Toi qui <laughs> après, si tu veux, ah on alors. peut passer au suivant, le temps de te laisser. De... Non, non, parce que j'ai mon idée, mais c'est vrai que c'est plus facile si tu as le. La, là, la faut la être vidéo. Dedans. Non, mais il faut la le faire. Non, non t'occupes pas de la vidéo. la vidéo. la vidéo, parce que, en fait, dans l'absolu, c'est juste, en fait, pour nos auditeurs. C'est juste une scène de dialogue. Oui, voilà, en fait. On y va Allez, vas-y. Bon alors. Qu'est-ce qui va m'inciter à partir avec toi Alors que je suis là, je suis une belle villa, j'ai une femme magnifique, et toi, tu veux que je parte à Haïti à Haïti, tu m'aurais dit les Bahamas, les Seychelles. Haïti, le pays le plus pauvre du monde. Non, mais vas-y, explique-moi. Et si je te ramène du caviar <laughs> Franchement, j'ai un super prix sur le caviar. Franchement, tu ne peux pas refuser. Franchement, Même ta femme n'a pas apprécié ce, ce genre de caviar. Mais regarde la femme que j'ai. Tu as vu la beauté, que c'est. Et, et tu veux va. que j'aille à, à Haïti Est-ce que j'en ai la faute du caviar Tu me donnes du caviar, je vais... Je... Ok, je, je, la je mange tout caviar. Pose mais une mais une après, question. elle va apprécier. Moi, je vais... En... en plus, euh, qui me dit que tu ne vas pas aller me, me, me faire euh, euh, taser euh, <laughs> par surprise <laughs> en partant avec toi à Haïti <laughs> En, en m'appâtant avec du caviar, tu crois que... Je... Euh, « Tu me l'as déjà fait une fois, tu ne vas pas me faire <coughs> une deuxième fois ?» Ou qui va te dire que tu vas pas me laisser après mourir dans une poubelle <laughs> euh, non. Moi, je ne suis pas comme ça. Franchement, c'est euh, la... n'est pas la poubelle. Je propose bande pro de dire à Mathis, euh, bah, ouvrons une deuxième bouteille, on en parlera juste après. Ça vous va <laughs> Bon c'est ah, bah, bah, oui. pas mal. J'avoue que c'est euh, voilà, un peu spontané, euh, c'était n'était absolument pas prévu. Euh, je vous propose une nouvelle scène euh, qui... Euh, bah, je vous laisse la découvrir et puis, euh, puis j'expose euh, bah, la, la scène juste après. Donc M et, euh, et Bond à la fin du film. Euh, où bah, ah oui. effectivement euh, Bond... Diffuse en par, par jeter son collier. Je, ouais. Ok. On repasse en ligne. Ok super. Donc euh, je remets le contexte. Donc on, nous sommes à la fin du film. Euh, M euh, voit James Bond jeter son collier par terre euh, à l'issue euh, de lui avoir demandé de, de rentrer euh, à la maison pour, pour continuer, euh, la suite de ses missions. Euh, et donc effectivement Bond qui balance le collier de Vesper quand même qui, qui est une figure très importante. Attends, okay. euh, je propose à Magali mm -hmm. de jouer, euh, M M ouais. pour n'est-ce pas yes girl power et, euh, et pour Bande bah, puisque je suis en note papillon euh, ce soir je vais faire Bande euh, sur le coup euh, ouais. du coup, euh, bah, du coup bah, tu me vois jeter le, le collier par terre et donc qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça cette conversation vous aurait-elle laissé un froid aurait-elle laissé un froid Bon, après tout, je veux dire ce collier, il a coûté 3 euros au grand bazar à youssef Kabira, donc euh, voilà. et puis, de toute façon, il a essayé, il a essayé de faire croire qu'il était bouffé par les requins, sauf que c'est pas ça qui a fini par le castrer, Désolé, le coup est parti tout seul. Okay. j'espère je, que c'est pas ça qui va m'enlever mon permis de tuer. parce que j'ai démembré, mais je n'ai pas c'est vraiment une blague à deux balles. Ben ok, mais c'est pas grave. <laughs> Bon, allez, ça va. Euh, je vous propose une dernière scène pour faire participer un peu tout le monde. Euh, ça sera la scène de l'opéra. Euh, donc la scène de l'opéra, je le rappelle, donc Bond est, euh, on a en direct, a chopé donc une oreillette et, euh, et donc euh, bah, finalement il, inter il, il interrompt une conversation du, du quantum, euh, spectre, on ne sait pas trop. Donc euh, bah, finalement, je vais laisser le rôle de Monsieur Green à Yann. Et euh, M. White sera interprété par José. Donc, je vous, je vous laisse imaginer un petit peu euh, quels qu auraient pu être les dialogues qu'on n'aurait pas entendus sur cette scène. Alors, c'est moi qui vais commencer. Vas-y. T'es euh, à M. White. Hein. T'es à l'oreillette. Vas-y, on t'écoute. On t'écoute tous. Oui, alors, euh, je viens d'avoir Hubert Ritz au téléphone. J'avais commandé une pizza à quatre fromages. Je comprends pas. Ils m'ont fril... filé une, pia... une pizza royale. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça euh... <laughs> Je suis qui moi déjà C'est monsieur Green. <laughs> euh, tu, tu peux lui répondre que par exemple, t'es pas bio, donc euh, le... ça fait pas partie de... casse du... le mot ananas dans ta réponse. Mm. Oh, putain. Ah putain. Surtout pour José, ça va être excellent. Oui. oui. <laughs> <Bon>. Je... Il <laughs> y a qu'à Mais qu'est-ce que... <laughs> Joker. Allez, c'est bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, que... oui, je... ah, mais c'était bien tenté il n'y a, a plus de petit euh, bon, personnel voilà. Voilà, c'est un petit jeu euh, sympa euh, évidemment c'est pas forcément <laughs> évident euh, parce qu'il ben, voilà, y, y a des petits cours extraits qu'on a, qu a prévus mais en même temps euh, voilà, ils ne sont pas forcément au courant euh, non, mais l'improvisation donc... est un exercice qui est quand même très compliqué comme être <laughs> en live il faut quand même faire une parenthèse là-dessus euh, vous, vous nous regardez mais, euh, mais sachez que nous on a, on a une immense pression parce que c'est hyper timé hyper codé on est là en <laughs> La chronique a dure 4 minutes. Tu vas reprendre en C'est des choses que vous. Un voyez. À Mais voilà, on a un cantarbour, donc on le sait. On n'a pas le temps de, de faire une, une valse à la The World's Not dans le, le sous-marin. Euh, voilà, on n'a vraiment pas le temps. Mais euh, voilà, en tout cas, sachez que c'est beaucoup de boulot derrière, donc soyez un peu indulgent là-dessus. Euh, sans plus attendre, de participer au débat. Euh, le premier débat va être un permis de tuer 2.0. Vu qu'il est 22h42, on va avoir bah, 2 minutes 32 pour, pour, ce, pour, ce, pour ce premier débat. Euh, je plaisante, bien sûr, mais euh, du coup, je vous ai, je vais prendre la main dessus. Oui, c'est le débat. Euh, et puis, euh, bah, on va essayer un petit peu d'être un peu rapide parce qu'on sait qu'on travaille tous demain. ou Pour ceux qui ont la chance d'être en congé... Tant mieux pour eux, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Exactement. Donc, Donc le premier rentre. débat, euh, on a décidé, suite au, au sondage qu'on avait lancé sur le groupe Facebook, il euh, y a une remarque qui était remontée, qui m'avait semblé euh, assez pertinente et assez intéressante, à savoir, est-ce que Quentin Bossola, ce serait pas un permis de tuer 2.0, c'est-à-dire un permis de tuer modernisé Un petit peu à l'instar de ce que disait euh, Yann tout à l'heure en ouverture d'émission. Que pensez-vous à ce point de vue-là euh, Suffit-il simplement d'avoir le thème de la vengeance et de la recherche du coupable pour avoir un permis de tuer revisité euh... bah tiens on va commencer par Yann justement puisque tu l'évoquais tout à l'heure euh, oui je pense que bah, la saga a souvent puisé elle s'est euh, souvent euh, tournée vers ses propres références hein. le, y a, le même cadavre <coughs> est revenu régulièrement que ce soit le, le plan de Goldfinger qui a été plus ou moins repris dans euh, Dangereusement votre ce genre de choses euh, je pense qu'ils sont, euh, sont allés euh, vers ça d'une manière naturelle et euh, peut-être à cause de la, de la grève des scénaristes de de, de l'époque, euh, grève qui était qui avait déjà survenu euh, qui était déjà survenu en 88 mm -hmm. euh, et qui avait contraint euh, Richard <coughs> à qui était le un, un, un scénariste euh, accrédité et, euh, et surtout euh, euh, qui était syndiqué syndiqué, euh, et donc il avait dû passer la main. Et c'est pour ça que Michael J. Wilson a grandement euh, développé le scénario. Parce que lui, il n'était pas accrédité, il pouvait écrire, il avait le droit d'écrire ce scénario. Euh, bah, je pense qu'ils ont repris un petit peu le, le cas de figure, c'est un peu retrouvé euh, cette, euh, cette année-là. Et euh, je pense qu'ils ont dû revenir sur un petit peu, sur euh, pas cette facilité d'écriture, mais en tout cas cette thématique qui est, qui est, toujours, euh, qui est toujours bonne à prendre. Et peut-être parce qu'ils étaient dans un, une sensation, un sentiment d'urgence. Mais. Au-delà du, du, du script, oui, je pense qu'on euh, peut, on peut le voir comme ça, qui a été, euh, qui a été euh, handicapé par des problèmes de production. Mais euh, pour moi, oui, c'est un, un permis de tuer 2.0, mais en mode mineur, handicapé, et justement, peut-être, euh, euh, qui est maintenant un rendez-vous manqué. D'accord. Euh, Jean-Jacques ou Pierre, comme vous voulez. Bah, écoute, moi, je dirais que c'est un, un permis de tuer euh, 2-0, parce qu'effectivement, au niveau de l'intensité du, du, du film, euh, c'est en dessous. Euh, moi, j'adore euh, quand il s'appelle Quantum, mais effectivement, si on peut le rapprocher à l'autre, euh, ouais, pour moi, il est en dessous au niveau de l'intensité. C'est pas pareil. Et pourtant, j'adore Quantum de, de ce côté-là. Euh, oui, ça peut être euh, le côté vengeance. Euh, et franchement, j'y avais pas pensé auparavant. Mais euh, donc, oui, c'est un petit peu, ouais, peut-être, peut-être, peut-être. Mais pour moi, j'aime ouais, bien les deux mais ouais est, il est pas c'est pas un niveau dessus tu... ça c'est certain ah, oui. si tu devais sauver euh, permis de tuer ou euh, quantum tu sauverais quoi ah permis de tuer okay. Pierre par exemple toi tu sauverais quoi ah ben moi je sauverais permis de tuer même si euh, voilà je, je, je redécouvre de plus en plus quantum et que je l'apprécie euh, ça serait s'il y en a un des deux à sauver c'est permis de tuer ah, d'accord bon, nous sommes, nous sommes euh, déjà à deux euh, Yann du coup tu sauverais quoi euh, ben, ah, sans en... hésiter Permis de tuer sans hésiter. C'est pas en du cas. tout la même implication émotionnelle. José, per permis de tuer, ça, sans, sans aucun doute. Mag. Bah, on... bah, je fais un pire inversé parce que bah, forcément, c'est Quantum que j'ai ouais. connu en premier, donc. Bien, euh, ben, ah, bien d'accord. Euh... Euh, du coup, je voudrais juste préciser un truc c'est que la thématique quand même est un peu différente. Bon, bon. oui, c'est une différent, thématique hein. qui est complètement liée à la vengeance oui. et tout le monde essaye d'aller au bout de sa vengeance alors que dans Quantum, c'est au contraire, c'est un moment euh, je me venge, je me venge, je tue tout le monde jusqu'à la fin où euh, il doit retrouver un peu d'humanité et ne pas se venger et ne pas tuer. Mmh. Euh, mmh. Le, 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 la oui. personne qu'il veut tuer qui est lex-amant le, le, de vesper Lesper, oui. et encore donc Quantum, en tout il cherche à savoir qui qui a tué vesper dans, dans le euh, permis tuer, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, le lien avec permis de tuer, parce qu'on parle, il euh, y a, y a, y a l'histoire des, des, des requins, etc. Mais néanmoins, il euh, y a quand même un, 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 un lien quand même qui est hyper intéressant. C'est que justement, et donc il laisse en vie Youssef Kabira, mais il arrive à tuer euh, finalement le, le chef de la police en le disant de la part de notre ami commun et ouais. il... Il lui tire en plein dans la face en, en, voilà, par rapport à Matisse. Donc, ok, il balance Matisse dans la poubelle, on, on en faisait un lien tout à l'heure, mais globalement, il va tuer la personne euh, qui, qui a commandité son assassinat. Il faut voilà. pas dire. Donc, très clairement, il y a des similarités qu'il ne faut, pas, euh, voilà. il faut oui. pas. Oui, mais donc, quand on tourne, ça se passe à la fin, pas au début. Mais bien d'accord. Et ça se passe à la fin, c'est tellement rapide que justement. Peu de personnes, et je pense ouais. que peut-être les personnes qui nous regardent ce soir euh, n'auront pas forcément fait le lien parce que en fait, la scène est tellement rapide. Il saute sur la voiture, et il balance de la part de notre ami commun. Mais en fait, on a, on a presque oublié qu'il euh, avait jeté Matisse dans la poubelle juste avant. On est d'accord. Il, il s'est passé plein de choses. Mais euh, voilà, si effectivement, il y avait euh, peut-être un contexte plus particulier, une musique ou, ou quelque chose, euh, c'est vrai qu'on n'a pas forcément fait le lien tout de suite, mais il venge la mort de Matisse. Oui, bien sûr. Ce qui, ce, ce qui confirme que euh, Quantum est plus subtil que ce qu'il n'était, lui apparaissait. Oui, bien oui. Oui. sûr. Et puis, et puis justement, donc, il laisse Youssef Kabira en, en vie. Donc euh, on ne sait pas avec quel membre il lui reste. D'ailleurs, ça fait écho à, à notre. <laughs> Magali. Mais euh, euh, tout ça pour dire que grosso modo, il le laisse en vie parce que potentiellement, il y a des enjeux derrière. Et donc, ouais. euh, voilà. Et ça, c'est hyper important à, à, à souligner, je pense. Mmh. Voilà. Donc, quelque part, il y, euh, y a quand même des choses euh, à ne pas jeter sur ce film. Pas ah non, mais ben, pour oui, l'instant, personne n'a hein. dit qu'il y avait quoi que ce soit à jeter. Mais disons qu'il euh, y a pas mal de petits défauts cumulés qui font que finalement, le film n'est pas franchement une grande réussite. Ce n'est pas un mauvais film, ce n'est pas le pire des films, mais bon, voilà, il a des défauts. Et bon. il est à redécouvrir. Bien Et sûr. Il est à hein. redécouvrir. Je vous laisse cette euh, C'est Jean-Jacques, parce qu'effectivement, ouais. il est à redécouvrir euh, après tout ce qu'on a, qu a eu, en, en ayant euh, effectivement la fin de l'arc Craig, etc., euh, posé depuis maintenant un petit, peu, un petit peu de temps. On attend un prochain James Bond. Euh, voilà, je vous laisse quand même réhabiliter le film. Euh, pour ceux qui n'avaient pas fait euh, le test, c'est aussi d'avoir de, de, la, la patience euh, de, rega de regarder le film en, en VO. Il euh, y a une approche qui est complètement différente aussi. Les doublages de voix sont pas forcément hyper, euh, ils sont moins qualitatifs aussi. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Euh, que les autres euh, doublages français euh, qu'on a connus dans Skyfall, qu'on a connus dans Spectre, etc. Euh, je trouve que euh, on est encore plus dans le film quand c'est un doublage en VO. Et d'ailleurs, euh, d'ailleurs, on en a parlé hier, euh, hier soir avec Mag. Euh, il <laughs> y a même en fait des textes en français que moi, il y, y a certains certains mots que je n'avais pas compris tellement l'accent. Non, non, mais est... là, là, quand même, le... franchement, il est bien. Non, mais, euh, franchement, moi, je l'ai absolument pas du tout compris. Donc, euh, pour dire. Franchement, le bon... il est devenu venge moi. Ouais, le venge moi. Ouais, ouais. <laughs> Tout ça pour dire qu'en gros, euh, je pense que, et c'est pareil pour euh, d'ailleurs Mourir peut-attendre, le doublage euh, français est vraiment médiocre à mon sens. Euh, et le film prend une toute autre importance quand il est en VO, parce qu'on parlait de justement la nouvelle w07 qui était arrogante, etc. Et je vous invite à essayer de faire le test en VOST, euh, Elle n'a absolument pas du tout la même approche au niveau de la voix. Et du coup, ça paraît un personnage beaucoup plus doux, au final, et beaucoup plus sensible, qu'on n'a pas forcément cette même perception en français. Bien sûr. Je veux dire, dans Mourir peut-être attendre, l'exemple le plus flagrant, c'est quand même le personnage d'Obroutchev, avec son accent soviétique digne de série B des années 80. Et là, c'est plutôt réussi, pour le coup, en doublage français. Ouais, enfin bon, réussi, c'est quand même un petit peu déconnecté de la réalité. Ça fait très daté, quand même. On sait où il va en venir, ce qui n'est pas forcément le cas de la nouvelle 007. Voilà, en tout cas. Mais bon, passons. En tout cas, euh, ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu le chat en direct, euh, Yann et Jean-Jacques, euh, ou, ou Pierre, ou peu importe. Ah bah, c'est un plébiscite pour euh, permis de tuer. Bon, ouais. OK. Euh, <laughs> Mag, tu sais quoi euh, Je pense qu'on aura pas temps à dire bon euh, Mais ce n'est pas grave. Euh, ce que je vous propose, c'est de passer au deuxième débat, parce qu'il est déjà assez tard euh, ce soir. Euh, et donc, le deuxième sujet du débat, c'est... Euh, bah, je, vais, je vais vous le dire, hein. Très simple. On a déjà donc une M finalement qui a un petit peu le rôle d'une mère. Euh, D'ailleurs, euh, il le dit très clairement dans Quantum. Euh, Quid de René Matisse en figure paternelle euh, Je t'aime, moi non plus. Qu'en pensez-vous par rapport à ça Sachant que on remet les choses dans son contexte. Je vous rappelle que euh, finalement Bond finit par assassiner la personne qui a tué Matisse, euh, qui a commandité son meurtre. Euh, et je vous rappelle une scène qui est très importante euh, la scène de l'avion. Euh, Ou quand Mathis finalement euh, finit par accepter euh, de repartir en mission, de laisser finalement ben, la villa, tout, tout finalement le confort qu'il a accumulé par rapport euh, ben, à l'accusation euh, un peu à tort qu'il a eu par rapport à Casino Royal. Euh, globalement, en fait, il sait très bien qu'il ben, a envie quand même de continuer parce que c'est un espion dans l'âme. Euh, il a envie de continuer, mais en même temps, il sait que c'est quelque part sa dernière mission. Il sait que ouais. son regard est assez significatif à ce moment-là. Euh, voilà. Donc très clairement, il sait qu'il a besoin d'aider euh, Bond. Euh, Est-ce qu'il est qu aurait fait Est-ce que l'enjeu aurait été était le même s'il n'avait pas justement cette figure paternelle Je vous laisse euh, ben, prendre la parole dessus et je vais laisser Yann, ben, tiens, pour démarrer. Qu'en penses-tu par rapport à ça, à cette approche paternelle Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, un, un mentor, oui. D'accord. Euh, il, il est en recherche. Euh, il est en recherche de. de, de... De, de ça d'un pendant peut-être plus, euh, plus docile peu, que, que M en tout cas quel, quelqu'un du, quelqu du terrain quelqu'un en qui il se voit euh, il se reconnaît peut-être en, en lui euh, parce que c'est Matisse était sur le terrain même si c'est pas la même génération, c'est pas le même tempérament mais c'est peut-être euh, il, il voit peut-être en Matisse quelqu'un euh, euh, qu'il espère être, euh, qu'il espère devenir plus tard si s'il si a l'occasion de, de vieillir C'est comme ça que je le prends, mais plus une forme de, de mentor que plus que figure euh, maternelle. Okay. Est-ce que tu penses que par exemple dans la scène de l'avion, il lui reposait euh, entre guillemets la question euh, en lui disant bah, en fait j'ai une solution pour toutes tes questions? Euh, en te proposant, enfin, euh, il, il, il y a une métaphore avec euh, ben, finalement le, la pilule. Euh, il dit en fait j'ai un médicament pour tout. Est-ce que tu penses que quelqu'un euh, qui euh, voilà, faut... d'ailleurs Jean-Jacques, je crois que c'est toi qui, qui qui en a parlé ou, ou Pierre tout à l'heure, euh, Mathis se fait taser euh, très clairement parce qu'en en fait Bond a des soupçons contre lui. Est-ce que un mentor aurait pardonné ça Est-ce que euh, globalement il aurait cherché euh, à, à soigner entre guillemets ces blessures qu'il a qu'il a d'ailleurs eues l'occasion finalement de, de comprendre en euh, peu de temps, parce que Casino Royale, ça, si on remet dans ce contexte, c'est quand même assez rapide. Oui, c'est quelques semaines à peine. Quelques, oui, quelques, ouais. quelques, quelques jours, parce qu'on parle que tu parles de semaines, mais je, je pense que ça reste quand même presque plus court, sauf la période où il, où il, euh, où il se remet effectivement de, de sa fameuse, son fameux interrogatoire avec mmh. le chien. Euh, Pierre, t'en en penses quoi, toi, par rapport à ça, ton avis alors, euh, il, il, est, il y a une chose qui est claire, c'est que de toute façon, James Bond est orphelin. Donc, il souffre d'un manque de, parents, de, 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 de vrais parents. Donc, effectivement, il cherche euh, une, 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 des parents de substitution et, une, je dirais même, une famille une de famille. substitution. Et, 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 et du coup, le MI6, a toujours été euh, pour lui une famille de substitution, même dans les premiers films. Euh, où M a une figure paternelle, Q, c'est plutôt l'oncle, un peu fou, etc. Euh, Moni c'est un peu la sœur, etc. Donc, euh, c'est un peu sa famille. Là, le Bond de Craig, il a plus de famille. Il a pas de famille, d'ailleurs, il y, y a pas Q, il n'y a pas tout ça. Il y a juste M qui, effectivement, est une figure maternelle. Alors, est-ce que euh, j'ai jamais vraiment vu euh, Matisse comme une figure paternelle Il est clair que euh, Bond cherche cette famille de substitution qui ne s'est pas encore constituée. Peut-être qu'il cherche en Matisse cette figure paternelle qui ne l'est pas vraiment et c'est peut-être pour ça qu'il meurt. Et pour moi, sa famille de substitution, elle va euh, définitivement apparaître dans Skyfall où, on oui. se met en place, la, la mauvaise mère meurt et <coughs> le bon père est là. Il y a Moni Penny qui est sa sœur. Il y a le c'est plus l'oncle Q mais c'est le neveu euh, un peu un peu geek etc et donc du coup c'est là que ça va se créer alors je, je pense que peut-être qu'il cherche en Matisse une figure paternelle qu'elle n'est pas vraiment non, voilà. qui essaye de l'être euh, mais qui finalement euh, voilà va, va va mourir et alors il essaye de le venger etc mais je pense que la vraie figure paternelle elle viendra avec euh, euh, Mol, James Moloney euh, Bon, on... euh, Malory, pardon. Oui, Malory, Et... après, après c'est vrai que, bon, encore une fois, est-ce que justement le temps a manqué euh, par rapport effectivement à l'apparition de, de, de Matisse euh, mais, mais je pense que ça mérite de. Parce qu'on se pose de, tous des questions, justement, pourquoi il a eu ce traitement euh, la, la scène de l'avion, quand même, c'est une des scènes qui m'a le plus euh, moins marqué personnellement. Euh, où on a vraiment un bond qui est, qui est ultra vulnérable et, et on a Matisse qui prend le temps de parler avec lui, euh, qui prend le temps de ben, finalement d'appuyer où ça fait mal, entre guillemets. Et, et bond fait, fait la personne hyper, hyper dure, etc. En mode j'ai besoin de personne et, et je, je continue à avancer. Mais on voit, et, euh, et d'ailleurs je tiens à souligner l'interprétation de, de Craig, mais aussi de. Euh, de. de. Ma, de, 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 de person... Garland, effectivement il est un nom un peu, un peu compliqué mais, euh, mais voilà son interprétation elle est, elle est juste incroyable et, euh, et, et voilà enfin, en tout cas pour moi c'est assez évident euh, que, que Bond cherche, euh, cherche une figure paternelle à ce moment là euh, peut-être comme tu le disais effectivement ça se met en place après mais néanmoins je pense qu'il aura peut-être manqué un peu de temps et de profondeur au personnage euh, qui euh, d'ailleurs faisait euh, initialement, euh, voilà, il n'est pas apparu que dans le film hein, puisqu'il il est apparu dans le roman mais on n'aura pas forcément la, la même approche paternelle euh, du coup, euh, très clairement euh, Jean-Jacques, ton avis sur le sujet Alors je ne suis pas certain qu'il y a une, une approche euh, paternelle euh, je pense simplement que effectivement euh, euh, Daniel Craig enfin Bond, euh, se rend compte qu'il s'est trompé, qu'il qu a commis une erreur il a, et, et il ne sait pas comment la réparer donc il vient, euh, il vient chercher chez, euh, euh, chez Matisse euh, une aide. Euh, donc il se, il se met en avant, il se, il, il, enfin, il, il se découvre, il se dévoile, il met ses, il, met ses, ah merde, j'ai pas trouvé. Enfin bref, euh, il, il va trouver chez, chez lui, il va chercher quel, quelqu'un qui va l'aider. Et donc il assume le fait d'être moins moins bon que lui donc je pense que c'est peut-être un, une peut une, euh, une reconnaissance de, de de la grandeur de Matisse et donc à partir de là je pense pas qu'il y ait qu un côté familial je, je pense pas que c'est juste côté euh, professionnel il, il, il sait qu'il y a quelqu'un qui est meilleur enfin qui a plus de connaissances plus de, de, de reconnaissance pas. Et donc, euh, ouais, il a envie de, de, de l'avoir comme, euh, comme allié. Mathis fait ce qu'il veut parce qu'il se rend compte qu'effectivement, il a un agent qui est plus jeune que lui et qui serait peut-être meilleur que lui. Et donc, il va essayer de l'aider parce qu'il sent que la mission est plus importante que son égo. Et donc, de ce côté-là, Mathis, il met son égo de côté. Et je trouve que c'est pas mal. Et après, effectivement, il y a la scène dans la poubelle que je que je, je comprendrai jamais. Maintenant, effectivement, quand il, euh, quand il, dans l'avion, il demande combien il a bu de, de vodka Martini. Euh, donc, il dit, euh, ouais, il a un truc. Euh, il a compris que euh, bon des tabous. Il a, il, est, il essaye de, de se soulager, de se, euh, de se démettre de de, de cette oppression qu'il a, et donc il essaye d'aller en avant. Donc, euh, mais c'est simplement pour se soulager temporairement. Euh, mais par contre oui effectivement le, le, fin, le côté euh, paternel de Matisse je ne le vois pas moins que par rapport à M avec euh, Julien c'est bon. c'est certain très bien euh, ben bah, écoute je, je respecte euh, vos avis euh, à tous mmh. autour euh, je vais laisser la parole à Magali et à José je, juste après euh, juste je vous remets la scène dans le contexte parce que cette scène je vous l'ai dit euh, je, je l'ai beaucoup euh, regardé ouais. euh, n'oublions pas que la scène de l'avion euh, on a le, le générique de Vesper qui revient à ce moment-là. Ouais. Oui. Même générique qui revient au moment où Matisse en fait, où, où meurt. Euh, ouais. Dire que on n'a pas, pas, le même générique, enfin le, le, la même musique euh, ouais. qui revient, notamment quand Félix later qui est un personnage hyper important dans l'arc Craig, euh, on n'a pas la même chose. Et pour autant, on a quand même un rappel aussi. Ouais. Euh, de de, bah, de Félix Leiter qui, qui, me, qui meurt et qui, qui, qui tombe dans l'eau etc ça fait un lien avec Vesper mais c'est pas tout à fait la même chose ouais. voilà donc personnellement moi j'y ai vu peut-être une figure paternelle ça ne reste que mon avis en tout cas je, je vous laisse euh, à, à vous qui nous regardez ce soir euh, donner votre avis aussi euh, néanmoins euh, je, José ton avis sur, sur le sujet non je suis, je suis assez d'accord avec toi Ewen euh, je pense que de par la différence d'âge déjà euh, Daniel Craig, Giancarlo Gian Giannini ont à peu près l'âge respectif de leurs personnages euh, James d'un côté, Matisse de l'autre euh, je pense qu'il y a quand même, oui un côté extrêmement euh, paternel parce que il, y le con il y a le côté <coughs> comme on l'a dit tout à l'heure c'est vrai qu'il y a un côté mentor qui est indéniable mais il y a aussi le, con le, le côté euh, très euh, Essayer de donner des conseils, essayer d'accompagner, essayer de comprendre, d'expliquer, etc. Et effectivement, c'est difficile de ne pas y voir un côté extrêmement paternaliste dans l'incarnation le, le, de, de Matisse. Après, effectivement, comme l'a dit Jean-Jacques et comme l'a dit Pierre, euh, c'est vrai que c'est moins flagrant qu'avec, par exemple, le personnage de, de, de Judy Dench euh, avec le rôle de M ou de, de Mallory plus tard avec, euh, avec les deux derniers films de l'ère Craig. Mais je veux dire, le personnage de Matisse, mine de rien, il y a quand même quelque chose qui laisse penser qu'on est un petit peu dans cette optique là dans cette orientation là, même si c'est pas évident c'est exactement ça et puis euh, peut-être qu'il y a une forme de frustration aussi parce que je pense que le, le, le personnage aurait eu le mérite d'être davantage développé euh, et, euh, et effectivement d'avoir un, un peu plus de... enfin voilà je, je pense que euh, il y avait suffi suffisamment de, de, de choses intéressantes <coughs> pour ce personnage là pour être davantage euh, enfin, finalement, être développé et nous permettre de, de vraiment comprendre les enjeux et, et d'avoir euh, bah, plus finalement, de, de profondeur par rapport aux, aux lien entre, entre euh... lui et Bond. Mag, c'est N'oublions a... pas que dans, par rapport à, à Félix Leiter, dans Mourir peut-attendre, euh, quand il tue donc, celui qui est responsable de la mort de Leiter, il dit J'ai perdu un frère. Oui, exactement. Exactement. C'est pour ça que, mais, mais merci de le souligner, parce que tu vois, c'était un de mes arguments initialement, euh, parce que euh, qui c'est qui disait que Q était son neveu Le a... nouveau Q est son neveu, alors que l'ancien Q était l'oncle. L'oncle il ne pas ça. Ça faisait vraiment ça, en fait, justement. Donc, il manquait effectivement plus qu'un père. Et effectivement, en tout cas, moi, j'ai vu ça. Mag, ton avis sur le sujet, du coup bah, honnêtement, c'est vrai que c'est une piste que j'aurais pas vue. Et depuis que tu en as parlé, justement, bah, bim, les, les arguments s'enchaînent. Et euh, effectivement, il y a ce côté. Euh, alors, je rejoins un peu euh, l'idée de euh, ce côté pro, euh, pro enfin, l'amour la, du travail bien fait, mais surtout d'y ajouter des valeurs. Et là, pour le coup, euh, le fait qu'il voit euh, James justement évoluer comme ça, alors qu'il a des clés qu'il peut lui transmettre, bah là, oui, forcément, il euh, y a de l'humain. Il y a beaucoup d'humains qui passent derrière et euh, c'est sûr que dans des métiers comme ça, ce qui tout double en gros, soit tu mises sur un peu d'humain et c'est peut-être un peu plus compliqué, soit t es tu as froid et là bon bah du coup les pistes slate euh, refroidies assez régulièrement quoi. Mais euh, c'est c'est vrai que c'est intéressant de voir ce côté potentiellement paternel parce que il le pousse en fait à évoluer et le pousse à aller euh, au-delà de, de des peurs qu'il peut avoir au-delà de bah de, de Ce deuil, en fait, parce qu'au final, euh, là où il peut se sentir trahi, euh, bah en face, euh, il avait quelqu'un qui n'a pas vraiment finalement eu le choix. Oui, complètement. Après, euh, bon, c'est. Je, je pense que chacun a. a, a c'est hyper intéressant ce genre de débat, justement, parce qu'on a, on a tous un avis bien tranché sur le, sur le sujet. Euh, la, genre... la question, est-ce est que Mathis ne se retrouve pas dans, le, euh, dans, dans Bond, à savoir est-ce qu'il aurait fait la même chose à sa place bah Peut-être aussi quand on apprend... Ou même l'inverse. Ou même l'inverse, parce que bon, oui, a envie d'être aussi performant que, que, que l'était euh, Matisse dans, dans le passé. Mais euh... je pense que c'est ce qui fait quand tu vas le, le rejoindre et lui demander son aide. Ah oui, complètement. Bon, bah c'est le cas. côté transmission, en fait. C'est le côté justement, quand tu as des valeurs ou quoi, tu veux les transmettre. Et là, quand tu vois que euh, quelqu'un va dans le mur et que tu sais comment l'aider à ne pas y aller trop vite, bah, tu l'aides. En fait. <laughs> Et euh, ça, ça aurait été difficile de développer Matisse parce que scénaristiquement c'est une figure qui est amenée à, à, à disparaître pour euh, régénérer encore un, régénérer un un, un trauma, euh, ou en tout cas une motivation supplémentaire à Abonde, la, la figure du mentor ou des figures paternelles qui disparaît en cours de récit. Bah, non, pas, chose... pas nécessairement, euh, Yann. Pour, pour le coup, je m'inscris en faux. La preuve, c'est que le personnage de Matisse, il existe euh, dans l'œuvre d'Anne Fleming dès ouais. euh, Casino Royal, et ensuite, il, il réapparaît euh, dans l'œuvre dans, euh, dans, dans, de Benson aussi. Bon, certes, ouais, je dans l'œuvre de Benson, du, du, du il est torturé, film. etc., mais ouais. il est toujours là. Euh, à la fin du, du roman, il ne meurt pas. Euh. Non, mais là, je, je pensais dans, dans le cadre du, du film, parce que la, son rôle de. Oui. D'ailleurs, Mathis, il apparaît dans Ne rêve jamais de mourir, c'est ça oui. C'est ça. Je, ouais. Vous en avez parlé, <laughs> oui. C'est ça. Dans un, dans un des, des lives. Bon, euh... C'est un, un personnage essentiel, d'ailleurs. Tout à fait. Et. et, et, euh, et euh, comment il s'appelle euh, Charlie Hickson l'a fait apparaître dans une courte nouvelle où euh, en fait Matisse et Bond se connaissent Matisse est dans la la, 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 la police mais il vient de s'engager il a 16-17 ans et Bond a 13 ans et, et ils, se, ils se découvrent et ils font connaissance là et, 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 et ils sympathisent ce que je veux dire c'est que la, la figure du, du mentor qui, qui vient à à disparaître en cours de, de récit et qui laisse un, 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 un personnage principal un petit peu déboussolé et, euh, et poussé dans ses derniers retranchements et, et sans avoir toutes les clés euh, pour terminer sa, sa formation euh, au cinéma en tout cas c'est puis dans la littérature euh, avant ça euh, c'est c'est quand même récurrent et le thème aussi de la dernière mission euh, qui sera finalement fatale euh, pour, pour, pour son, celui qu'il choisit de, de le faire. Euh, tu as, as ça dans Toi qui aimes les oies sauvages, euh, José. Oui, euh, tu, as, tu as ça. Avec le personnage du, du sergent instructeur qui, qui était à la retraite, qui, qui, part à la, qui part pour la dernière mission et ça s'avérera fatal. Euh, je pense que c'est plus un, un... pas une facilité, mais un ressort scénaristique euh, utile pour des personnes qui, au moment d'écrire au of Solace, étaient dans une certaine urgence et qui, qui se sont peut-être euh, rattrapés à ça par euh, on parle quand même de, de Mark Foster et de Daniel Craig qui, euh, qui ne sont pas scénaristes de formation et bien je trouve là-dessus qu'ils s'en sont bien sortis, ils ont bien utilisé le, le, le personnage de, de Matisse euh, à ce moment-là dans le fait, le fait de le faire disparaître créer un électrochoc à, à ce moment-là dans le film. Bien sûr Image d'ailleurs de mentor dans laquelle Sean Connery s'était spécialisé oui. au travers de films comme un Highlander ou, ou, ou Les incorruptibles où il est un peu le mentor à chaque fois de Oui, ou à, la, ou à la rencontre de Forrester, etc. Bien sûr. Voilà, où il disparaît, il est tué et, donc, et ensuite, euh, voilà, c'est un peu un motif de, de, de vengeance et d'évolution du personnage vrai. principal. Oui, d'accord. Mais Pierre, dans Les euh... incorruptibles, ouais, très très. Pierre, je sais bon, euh, euh, nous rappeler, mais il me semble que Mathis est torturé par euh, Kleb dans euh, le, le roman de euh, de Mince. Euh, bon, non, il, il apparaît appara dans « bon, vous de Russie », Il est torturé. Il, 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 Kleb, il est torturé dans le, dans le roman okay. par, euh, de Benenson. Voilà. Exact. par le gérant. Très dans bien. Le gérant, voilà. Okay. Donc euh, j'ai fait une. Mais pas... non, dans Mon Baiser de Russie, qui se passe... la fin se passe non pas à Venise, mais à Paris. Ouais. Et donc c'est Mat... René Matisse voilà, qui, qui, euh, qui aide Bond qui à retrouver de... Rosa Kleb en fait. Le de Vesper, exactement, c'est ça. Okay, Et c'est lui qui le sauve d'ailleurs. C'est okay. lui qui le sauve puisque dans Mon Baiser de Russie, il se fait empoisonner. Très bien. Merci pour cette euh, précision. Euh, est-ce que alors je fais juste un petit lien avec le chat en direct donc on a euh, donc Patrick qui nous dit euh, grosso modo euh, voilà les, les bandes de Craig il euh, y a trop de réflexions à faire donc du coup euh, <laughs> c'est euh, vrai que c'est plus du divertissement c'est ouais. vrai- c'est un bond de son temps, temps. aussi c'est un bon de son temps. Il ne faut pas oublier. Ouais, exactement. Mais bon, attention. Temps. Je mets un bémol. Euh, 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 et ouais, non, je suis d'accord. Je suis, suis d'accord avec toi. C'est peut-être <laughs> le bon de son temps, mais il faut savoir aussi trouver le juste équilibre. Ouais. Juste équilibre, ok. Mais, mais c'est ce qui fait que ça, ça dure depuis 60 ans. Et ça, il faut oui. aussi. Même quand on a des musiques pourries. Non. Je, je... <laughs> <laughs> like, c'est euh... fait. excuse like. <laughs> Si le bon, like. si de, de 2025 était le on revenait au bond des années 80, et ben ça serait... Ça ne marcherait pas. Oui, non, ça ne ah, pourrait ben. pas fonctionner. si j'avais de l'Eriane, je, vais, je vais en, en 85. Hein. Pourquoi pas Parce que je vous rappelle. On, on a fait un lien, messieurs, dames, pardon, autant pour moi. Euh, on a fait un lien tout à l'heure avec les jeux vidéo. N'oublions pas qu'il y a un fameux Bond Project qui arrive, euh, manifestement aux origines de James Bond avant qu'il ait cette. Enfin, sa licence de tuer. Est-ce que c'est un... Parce que je sais que c'est un... un studio de jeux vidéo, notamment, qui a, qui a développé les Hitman, etc. Euh, je me permets un lien parce que c'est euh, bah, des... des studios qui ont euh, voilà, un budget euh, colossal. Euh, ils ont teasé cette fameuse bande-annonce d'un jeu vidéo il y a 3-4 ans. Euh, ils sont en recrutement permanent de, de différents euh, types de profils sur... sur le développement de ce, ce jeu vidéo. Euh, ils nous ont fait un teaser à la gun barrel, mais de qualité extraordinaire. Euh, et pour rappel, les Hitman ont, ont eu euh, vraiment ben, un succès colossal. Euh, Est-ce que c'est, entre guillemets, euh, une ligne euh, éditoriale pour la suite On ne sait pas trop. Euh, pourquoi pas revenir effectivement à un bond euh, bah, des, années, euh, des années 80 ou même Non, peut-être pas forcément, mais disons que pour, ah, répo euh... pour répondre à ce que tu dis, Owen, si tu veux faire le parallèle entre film et jeu vidéo, euh, il est sûr que si James Bond ne va pas prendre le travers de revenir dans les années 80, il ne va pas prendre le travers non plus de basculer bah, en mode GTA, ça c'est clair. Bon, ça c'est certain, justement, mais, euh, mais ça peut être mais intéressant. De... Est-ce que ce n'est pas inquiétant de se dire qu'ils ont fait une bande-annonce il y a 5 ans et ils n'ont pas fini Au contraire au contraire, ah. parce que justement, euh, voilà, si ça avait été un studio Lambda, la Electronics Arts, etc., quand on voit les, bon, ils ont fait des, ils ont eu un énorme succès sur certains, ah sur Ah, mais jeux. ils enchaînent. Les ils, ils enchaînent. Là, c'est vraiment, et, et là, je, je suis justement l'actualité de près euh, sur le sujet, euh, parce que je, je vois, euh, en fait, il développe euh, certains. Et quand on voit, euh, j'ai eu l'occasion, je ne connaissais pas trop Hitman, euh, je ne suis pas trop jeu vidéo à la base, quand même, je, je tiens à le préciser, euh, mais j'ai eu le, euh, voilà, la curiosité de regarder un petit peu de quoi était fait Hitman, et euh, ouais, vraiment, j'étais assez. Bah, après, euh... après euh, Pierre, pour répondre à ta question, je, dis, je citais tout à l'heure GTA en, en plaisantant. Il faut quand même savoir que le dernier euh, Opus en date, le GTA V, le 6 normalement est annoncé pour 2025, il a quand même mis 6 ans de développement. Donc, euh, voilà, c'est euh, avec un budget, euh, je crois, de quelque chose comme 250 millions de dollars. Ouais, c'est ouais, plus de 200 ça. millions. D'accord. Et, et d'ailleurs, dans, dans le GTA V, c'est moi qui ai montré à ma fille comment aller récupérer la Stone Martin. Ah ouais. Ouais. <laughs> la DB5. Ah bon la, la DB5, ah, ouais, euh, dans, euh, le, dans le studio euh, de cinéma. Alors là, euh, moi, je t'applaudis aussi. Euh, comme je... <laughs> euh, bravo, bravo papa. Bon, euh, en tout cas, euh, d'autres commentaires sur le chat en direct. On a euh, View From max euh, qui euh, nous salue euh, de, depuis l'Angleterre. Donc, un, un coucou euh, à toi. Euh, D'ailleurs, on va l'interviewer euh, très prochainement avec euh, bah, sur la chaîne. Euh, on, va, on va voir euh, qui, qui il est, etc., quel contenu il nous propose euh, pour, pour les personnes anglo-saxons. Mais on vous fera évidemment la traduction. Euh, parce qu'il bah, fait partie évidemment du, euh, du club euh, anglais euh, 007GB euh, sur la partie, euh, je crois que c'est le directeur de la vidéo, euh, et euh, ça fait quelques années, moi personnellement, que je le suivais, et, et effectivement, ça peut être hyper intéressant de voir un petit peu euh, l'approche, euh, puisque bah, pour nous, euh, voilà, petit club français, etc., c'est bien aussi d'avoir un petit peu la vie euh, bah, de l'autre côté euh, des frontières. Euh, C'est hyper intéressant euh, bah, de voir un petit peu euh, bah, voilà, qui, qui nous sommes, comment, comment nous sommes devenus femmes de James Bond et comment euh, on a réussi finalement à, à porter notre petite pierre. Bon, de toute façon, il faut s'ouvrir à l'international, comme le dirait Blofeld dans Jamais plus jamais, sur le marché de James Bond, 007TV est totalement impartial. <laughs> Tout à fait, exactement. Euh, écoutez, euh, en tout cas, merci encore parce que vous avez été euh, hyper euh, nombreuses et nombreux euh, à participer sur le chat, euh, à nous suivre, etc. On va évidemment rediffuser cette émission en replay euh, dès demain à 10h parce que José ne va pas dormir de la nuit pour ça. Euh, merci à lui. Euh, C'est pas grave, tant pis, euh, tant pis pour, pour ton boulot. Hein, on sait très ah ouais, bien. Que... Surtout que moi je commence aux aurores demain matin. Il ah, y a des priorités, euh, je suis désolé. Exactement. Il hein. <laughs> y a des gens qui n'ont pas pu nous regarder ce <laughs> soir et qui, qui t'attendent. Euh, ouais, voilà. Tu diras voilà. ça à ouais, ma bande que... quand je dois payer mes échéances. Ils, Ils attendent, attendent depuis une semaine. Euh, tu tu m'enverras son numéro, je lui enverrai euh, quelqu'un. Peut-être prendra-t-il un chèque. <laughs> Peut-être prendra-t-il un chèque, effectivement. ouais et puis euh, quand il prendra le chèque, euh, on fêtera ça avec du champagne et un petit peu de crème, si jamais. Je, je préférerais que. Ah ok. <laughs> Pourquoi pas, Pourquoi pas. Euh, Merci encore. Est-ce que vous souhaitez ajouter le mot de la fin Mag, est-ce que tu as quelque chose à ajouter que on n'aura pas eu l'occasion de te laisser euh, dire toi tu veux que je finisse par une citation, c'est ça Non, pas forcément. Un, un mot de la fin, façon Kamoulox Je sais pas, tu sors un mot au hasard. Euh... Ananas <rire> <rire> Ok, euh, très bien, ça me va. Euh, Yann, euh, bah, j'aime bien Dominique Green. Voilà, je le je, je trouve très cynique et, et j'aime bien ce, ce personnage. C'est pas un de mé mes méchants préférés, mais euh, il est un peu sous-côté et euh, j'aime bien parce qu'il sait très bien qu'il fait pas le poids euh, physiquement face à, euh, à Bond. Et c'est pas grave, il y va. Il est sur, euh, comme, comme dirait euh, certains Jean-Claude. Euh, euh, Dis-toi que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce. Bah, non, malentendu. Non, malentendu, peu ça peut marcher. <laughs> non, temps, ça, ça peut hacher, mais là, pour le coup, il s'est haché voilà. tout seul, c'est con. C'est <laughs> hyper intéressant. Euh, merci à toi pour, euh, pour ce petit euh, résumé. Euh, Pierre, qu'est-ce que tu aurais à dire, toi Moi, j'aurais à dire, euh, on n'en a pas parlé, mais j'aime beaucoup le personnage joué par euh, Olga Kourilenko. Oui. Ouais. Ouais. Et, et, et je trouve que son personnage est complexe et vraiment intéressant. Ouais. Et c'est une excellente actrice. Oui, c'est une excellente ouais. actrice. Moi, ce que ouais. je déteste par contre, après, c'est pour ça que j'ai fait écho avec ça euh, tout à l'heure c'est le doublage. Euh, voilà, D'ailleurs, comme je l'ai dit à Magali, pas plus tard qu'hier soir, euh, quand elle dit franchement, moi j'ai compris autre chose, euh, c'est insupportable. Je, je déteste son doublage. Euh, mais par contre, j'aime beaucoup son interprétation en VO, encore une fois. Ouais. Par contre, en fait, j'ai du mal. Après, c'est je, je, je le regarde. Euh, les bondes, je les regarde qu'en VO personnellement. VO sous-titré, mais ah. je regarde qu'en VO. C'est intéressant aussi pour ceux qui n'auraient pas forcément cette démarche-là. Si vous avez l'occasion d'avoir des Blu-ray, des DVD, euh, d'avoir cette petite démarche en, en, en VO sous-titré, essayez au moins. Et puis, euh, et puis vous nous direz euh, peut-être sur de, des prochains lives ce que vous en pensez. Euh, Jean-Jacques, du coup, est-ce que tu as un petit mot, toi, sur, sur euh, la conclusion de tout ça? Bah, J'invite tout le monde à, à revoir cet opus parce qu'il est très bon. Euh, effectivement, euh, ce que je déplore, c'est que l'aspect euh, écologique soit sous-exploité. Mmh. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Et par contre, Olga, elle est, elle est fabuleuse. Elle est, elle est juste dans son personnage. Et moi, j'ai donc moi, ouais, j'ai vu la, la vie de Lucas et je, je suis en contradiction avec lui, mais parce que bon, bon je suis pas objectif parce que j'adore euh, le gars que Renko, donc dans tous ses rôles. Mais euh, même, même son personnage, je trouve qu'il est très bien. Il est, un, il est en, en réserve, il est, euh, il est très bien. Effectivement, c'est une, une des rares un James Monger qui rentre pas dans le lit de Bond. Oui. Et donc ça, ça faut, faut le reconnaître bien parce sûr. que son personnage est comme ça. Et donc c'est bien lesquels ben de te 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 titre. À juste titre. Et c'est important, justement, qu'il y ait ce genre de personnage Bien à sûr. ce moment-là, dans la temporalité de Daniel Craig. Tout, tout, oui, tout, tout à fait. On est d'accord. Tout à fait. Parfaitement résumé. Comme, comme euh, Galabrant dans le roman Moonraker, d'ailleurs. Oui, exactement. Oui. C'est possible. Et, et, et qui le laisse complètement dépité parce que lui, euh, lui, il espérait et, et elle lui dit non... Euh, euh, J'ai un fiancé, il vient me chercher. Et, ouais. et, et, et ce, qui fait, ce qui fait aussi l'intérêt de, de Quantum, c'est que, comme les romans, ils se démarquent de, 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 de certains autres romans. Ils sont sûr. un petit peu pas, pas linéaires, mais bon, ils ont une même texture. Et, ben, comme, ben, voilà, y a, et, et donc, il faut la tréper comme ça. Ce qui, ce qui me fait d'autant plus marrer quand, quand on reproche à Fleming d'avoir créé un personnage. Enfin, un Personnage sexiste, alors que justement euh, c'est beaucoup plus nuancé que ça, mais bon, exactement. ça c'est le problème quand on s'en tient euh, au quatrième de couverture pour euh, faire son article, oui, voilà exactement. Ça c'est digne, oui, ce genre de critique à l'emporte-pièce est digne de journaliste de quotidien, c'est voilà, c'est euh... <laughs> allez. Bon. Euh, ce que je vous propose c'est qu'avant de laisser le mot de la fin à José puisqu'il va, il va démonter de toute façon tous les plus ou tous les moins euh, vous faire un petit résumé finalement de tout ce que j'ai pu voir dans les chats etc et puis tout ce que vous avez dit ce soir euh, si on résume Quantum of Solace en quelques points positifs on a une photographie qui est quand même relativement superbe une, une excellente BO on a des personnages qui sont très bien écrits comme celui de, de Dominique Green on a Matisse on a Camille on a Strawberry Fields qui malheureusement euh, voilà, c'était un peu court euh, on a le fait que bah, effectivement Bond est avulgué par, par une vengeance un petit peu à la permi ça reste quand même un clin d'œil avec d'autres James Bond notamment. On a euh, bah, euh, comme je le disais tout à l'heure euh, la scène du désert etc qui est quand même assez euh, assez parlante. Goldfinger aussi qui est en lien avec bah, effectivement Fields euh, en mode pétrole. Euh, voilà donc beaucoup de liens quand même qui sont très intéressants on a finalement un point intéressant qu'on n'a pas, qu pas évoqué ce soir, mais le fait que M soit en couple, c'est tellement dommage parce qu'il y a pas mal de petites choses qui sont intégrées dans Quantum ouais. euh, qui ne sont pas développées et on est en attente de ça. On se dit, oh, on a envie de savoir, en fait. Et ouais. quelque part, on, on est sur notre frustration euh, totale sur ce film et c'est vrai. Et, c est, c est, et du coup, on va en venir sur les points négatifs. On a un choix de montage qui n'est pas forcément compréhensible. On a une, une continuité avec Casino Royale qui est hyper évidente au début et au final, à, à, après, en suivant, on se dit... Un peu moins. Ouais. C'est un C'est moins... de raccorder les vagues voilà. de manière Après, un exactement. peu. Euh... Oui, ah. complètement. C'est Avec... hyper agressif. Si vous êtes épileptique, vous êtes mort euh, au bout de 10 <laughs> secondes du film. Ouais, on est bien d'accord. Ouais. Mais, mais voilà, en fait, c'est. Ne plignez vraiment... pas de l'œil en regardant ce film. Exactement. <laughs> okay. ouais, c est, c est... Pour... Il faut mettre des allumettes parce que sinon, on va. C'est tout, tout le. la tout mort assurée. Qu'a fait Paul Greengrass à, la... à cette époque-là dans le dans, montage je ne suis pas fan de Paul Greengrass. En tout cas, pas sur, euh, pas, pas sur tous ses films. Après, il y a aussi le fait que le projet tira n'est pas du tout expliqué. C'est exactement ça, le projet Tira, je suis, je suis complètement d'accord avec toi. C est, c est ah, mais... une... En fait, enfin, fina... En fina... En finalement. Fait, il, manque... il manque 30 minutes. Voilà, On ce film-là, ouais, il lui manque. Mm -hmm. 30 minutes, je dirais, au minimum. Euh, pour vraiment développer tous les enjeux, toute l'histoire, etc. Après, pour rebondir sur ce que tu disais, Wen, la thématique de M en couple, c'est une thématique qui a déjà été abordée aussi chez Raymond Benson, euh, dans Le visage de la mort. Euh, donc, en fait, ça prouve bien que si les scénaristes veulent se creuser la tête, il y a plein de thématiques qu'on peut développer dans un James Bond sans développer James Bond lui-même, mais en développant simplement les personnages secondaires. Je suis d'accord avec toi, mais par exemple dans Casino Royale, pour rappel, euh, en fait, je crois que ben, elle est dérangée quand Bond est à Bahamas, euh, donc on voit très clairement <laughs> y a est dans le lit, etc. Mais il ne parle pas. On, on devine qu'il y a une voilà. Et donc dans Quantum finalement, on a la personne qui qui, qui lui dit bah tiens c'est ta ligne. Donc on entend la personne intervenir. Et, et finalement, on, on ne sait rien après. C est, c est, ça, ça sert à rien en fait. Et ça encore justement, c'est des ces petites malènes de Proust en passant, quoi. Je veux dire, ça ne sert forcément euh... d'être développé. Ça rend les personnages plus humains et du coup, ouais. en fait, pourquoi en fait aller sur ce terrain-là pour ne rien dire derrière ah, donc... Regarde, on a eu les chats de, de, de Q, on a Bien eu, euh... <laughs> on a eu Penny aussi. Genre, j'ai une vie, vous devriez essayer. Enfin, au final, enfin, si, cela dit, cela dit, Magali, la thématique des chats de Q. Elle est déjà évoquée dans Spectre et on les voit dans Mourir peut attendre. Donc c'est vraiment oui. une idée qui, qui fait qui est oui, oui, qui est dans est la continuité. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais par exemple justement euh, on voit et c'est très bien ce que tu dis parce que du coup ça fait ça fait quand même un lien. Mais euh, par exemple on parle donc euh, bah, de M qui est en couple entre euh, bah, finalement Casino Royal, Quantum etc. Dans Skyfall, pour rappel, euh, Bond euh, bah, vient dans l'appartement de M et là. Ouais. Finalement, il y a il n'y a pas un chat, il se passe rien du tout. Donc finalement, il y a peut-être des choses à explorer dessous. Est-ce que M, finalement, de par son engagement sur le, sur le travail, etc... Parce que dans Skyfall, elle est quand même dans une position assez, assez délicate, faut pas oublier. Euh, délicate sans mauvais jeu, jeu de mots avec le chat. Mais... <laughs> euh... <laughs> c'est pas mal, bon, c'est pas gros. mal. Il y a une marque à développer là. Voilà. <laughs> en plus, marque elle marque existe à réellement la, la marque. marque de 2024, voilà, ça c'est fait. <laughs> Alors, Bravo <là. rire> euh, Voilà, je vais peut-être faire Mais... un... Moi j'aime bien qu'il qu reste des zones d'ombre. J'aime pas qu'on explique, qu explique. Et j'aime bien dans les séries ou dans les films. Souvent les gens disent Oui, mais on nous explique pas ça, on nous explique pas ça, on n'a oui. pas de réponse à ça, on n'a pas de réponse à ça. Mais moi j'aime bien qu'il y ait des zones d'ombre et qu'on euh, reste sur des mystères, qu'on se pose des questions. Mais oui, euh... Euh... Par contre, j'interviens je, je, je sur le par rapport au chat. Patrick nous dit que euh, elle précise que dans Skyfall, elle est veuve. C'est bizarre, ça m'a pas marqué ça. Ah, non, moi non, moi non plus. non plus. Ah, non si J'ai Si, parce doute. que et, dans, dans, dans la salle, elle dit feu mon mari. Feu mon mari, exactement. Ah ouais. exactement. Euh, Merci, madame. Bon, ah, ouais. Exactement. Mais oui, enfin, ouais. cela dit, le fait que, que son mari soit décédé, ça ne l'empêche pas de vivre une autre relation. On est d'accord. On est d'accord. Oh, Est-ce voilà. que ça intéresserait et, et, vraiment le public de savoir et, et, la, la, la vie intime de M Je ne suis pas certain de ce côté-là. Donc ça vrai. veut dire que quand elle était mariée, euh, leur maison, c'était chez M et M. MNM. voilà. Alors nous avons un produit pour ça d'un côté. À trois jours de Pâques, ça fait cher le chocolat. Prochainement sur 007 la page. Attends, elle est excellente, celle-là. Elle est vraiment très vraiment parfaite. Ah celle-là, elle est top. Donc du coup, Pierre, je fais quoi ce que tu disais? C'est hyper intéressant justement de ne pas forcément développer trop d'informations et en même temps. Je pense que c'est là où on a toute notre place, c'est justement euh, revenir sur ces petits détails que euh, ben, forcément quand on découvre le film une fois, deux fois, trois fois, on a apprécié ou pas trop. On ne fait pas forcément hyper attention, à, on, on voit ce qui est au premier plan, on ne voit pas ce qui est au second plan. Euh, et José, je vais te laisser prendre la main dessus, mais globalement, euh, je pense que c'est tout l'intérêt qu'on a d'être là ce soir, c'est de pouvoir euh, ben, voir ces petits détails que vous n'aurez pas forcément euh, vus. Euh, et, et qui vont peut-être vous laisser poser des questions ce soir. Euh, vous allez, à mon avis, vous n'allez pas vous coucher serein ce soir, parce que du coup, Quantum, <laughs> je suis sûr que ce soir vous allez vous dire finalement, peut-être le regarder demain, on ne sait pas. Euh, mais du coup José Est-ce que tu veux prendre la main là-dessus euh... Oui, bah, je vais conclure par un mot Bon ben bah, voilà, Quantum of Solace c'est vrai qu'effectivement Ça a été un film qui a été énormément Critiqué, qui a été décrié à sa sortie Qui aujourd'hui dans le cœur des fans Est en train de reprendre un petit peu de hauteur Est en train d'être réhabilité, moi-même Je lui trouve aujourd'hui des qualités qui n'étaient pas Forcément évidentes il y a 10 ou 15 ans en arrière Je rejoindrai Yann aussi Effectivement, par exemple le personnage De, de Green est un personnage Qui est extrêmement intéressant, surtout qui est servi par de très bonnes répliques euh, et ça je veux dire ça faisait bien longtemps d'ailleurs qu'un James Bond euh, n'avait pas été servi par des dialogues d'une telle qualité bon c'était déjà le cas dans Casino Royale ça avait été un peu moins le cas on va dire dans les quatre films d'avant euh, suivez mon regard euh, mais cela dit voilà le film a des qualités il n'est pas totalement à jeter il y a des petites bêtises qui auraient pu être corrigées euh, notamment et c'est vrai que c'est le point qui revient régulièrement c'est le montage sur les scènes d'action, pas sur la globalité du film, mais mmh. qui manque de clarté, de lisibilité, etc. Et il faut le reconnaître, qui gâche quelque peu le plaisir qu'on peut avoir justement dans un oh, James Bond bon. par la clarté et la lisibilité de leurs leur scènes d'action. Euh, les films, par exemple, comme, comme, comme Golden Eye, comme Demain ne meurt jamais, euh, comme, et même avant, comme des permis de tuer, comme des l espions qui m'aimaient, etc., etc. Voilà. Et c'est en fait, c'est ça le gros défaut du film, c'est un manque de lisibilité dans certaines séquences. Euh, la séquence à Sienne, par exemple, avec le combat à travers ouais. la verrière, honnêtement, c'est incompréhensible. Il est, c est, c est incompréhensible. Est regardable. Mais ça est Et je veux dire, pas... pour un film ayant film, non, bénéficié d'un tel budget. Avec autant de techniciens professionnels, il n'est pas normal qu'on en arrive à une à, à un rendu final d'une telle euh, d'une telle pauvreté euh, graphique. On a pas et c'est dommage et c'est dommage par 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 parce faire. que cette scène cette, cette, cette scène à Sienne dans oui. le Palio avec ouais. le, le parallèle entre la poursuite. Et euh, la course de chevaux, elle est superbe. Sur le papier, oui, c'était super sur, intéressant. Exact, exactement, ah. Yann. Sur le papier, mais oui. dans la réalité, bah, c'est pas ça. Moi personnellement, oui, euh, je, moi j'en reviens à cette fameuse scène euh, où Bond est dans le clocher, etc. Moi, et au niveau de la période, superbe. Moi, j'ai rien à reprocher, ouais. euh, moi, rien à reprocher euh, comp en comparaison à la scène à la poursuite en voiture. Hein, personnellement, ah ouais. Voilà, à, à, à ce moment-là, voilà, quand, quand la tu a la poursuite à ce moment-là. Euh, moi, je je, je, vraiment, je prends du plaisir à, à partir de ce moment-là où justement, quand Bond se met en activité, euh, pas au moment où il y a la, la scène en voiture au, au démarrage. Euh... Mais moi, ça me choque pas. Les, les, les deux scènes me choquent pas. Elles sont excellentes. Ça fait ah non mais je, attention. Ce... Je dis pas, euh, Jean-Jacques, hein. je dis pas qu'elles sont choquantes. Je non, dis non, non, simplement je... que d'un point de vue purement technique, non. elles ne sont pas réussies comme on était en droit de l'attendre. Voilà. C'est bah, une, quand, quand que... une question d'affaite Moi je sais que les deux scènes, moi je prends un plaisir énorme, et donc effectivement, j'ai pas ce regard plutôt technique que vous avez. Et donc pour moi, ça fait mais... je suis peut-être moins 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 tatillon de ce côté-là. Je pense que c'est ça. C'est du gâchis parce que quand tu veux donner un sentiment de, de, de chaos, tu peux très bien le faire dans, dans la lisibilité. L'action, c'est de la musique. Il y, y a pas plus proche. Bah, par de, exemple, de la comme, comme le fait Michael que, Bay, que, Bay dans certaines ben, Pardon. Comme le fait par exemple Michael Bay. Mais Michael Bay, il a pas de, il, a, il a quasiment pas de, de scénographie. Des des gars comme Cameron, des gars comme McTiernan, des gars comme John Woo, ils ont une une putain de scénographie, il, ouais, il chorégraphie à mort, et ils savent où placer la caméra. Ouais, le Cameron, que... il a pas de scénario, par contre. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais bon, ça c'est... Il... Non, non plus, mais je ne suis tôt. pas d'accord. Mais, mais enfin, en termes de scénographie, de, de, de découpage de, de, de la scène, ils, tu, tu sens très bien qu'ils ont l'idée le, le, de... de déroulement de la, de la scène. C'est de l'écriture. Ça, ça, parce qu'ils ont un storyboard. Qui est, parce qu'ils qu ont un et... découpage. Ils savent où oh. placer la caméra. Là, tu as l'impression qu'ils ont placé la caméra partout. Ils ont du multi-angle dans tous les coins et après, ils raccordent. Et ça, c'est pas que quand on est sur C'est 20 ans de cinéma depuis euh, de, depuis les ah. années 2000, depuis euh, Paul Greengrass. Encore une fois, je suis désolé, mais euh, le, on a eu, on a bouffé euh, 20 ans de Shaky Cam, euh, des gars qui avaient des Steady Camers euh, qui ne savaient pas... Euh, qui ne savait pas quoi faire de leur Stevie et qui faisait n'importe quoi après au montage. Et as une bouille, ça donne une bouillie visuelle et on en arrive à, à, à ça. Et heureusement, on s'est un peu calmé de, depuis. Quoi. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que moi, je l'ai revu le film il n'y a pas longtemps et je n'ai pas cet aspect-là. Donc c'est vraiment quelque chose de personnel. De, de, de oui, de bah juste, bien euh, sûr, tout est une de question jugement de jugement personnel. Des, des Mais vrai, vrai, de... Effectivement. Je l'ai revu vrai. il y a une semaine de ça, Quantum of Solace. Il y a quand même des scènes sur lesquelles je tic encore aujourd'hui. Ouais, bon, on va après, on... Tu l'as quand même réhabilité comparé. Mais oui, euh... mais bien sûr, mais ça, bien sûr. Mais, et, mais par contre, vous auriez pas dit euh, tous la même chose si c'était Eric Serra qui avait euh, fait la musique euh, de l'ouverture, hein, parce que je pense qu'on s'en serait pas remis. Hein. <laughs> ah, je demande à écouter, je même... demande à écouter, moi. <laughs> non, je plaisante, je plaisante, mais euh, c'est une plaisanterie. Euh, voilà, parce que... Avec des bruits de casserole et de canards en plastique. Exactement. Ouais. Non, mais mais euh, voilà encore une fois, mais, euh, je, je pense qu'il faut pas trop écarter ce film. Il faut lui laisser une seconde chance pour celles et ceux qui n'auraient pas eu l'occasion. Oh, de... Ouais, même une troisième, quatrième, quatrième, parce que avoir... on redécouvre des choses. Exactement. Surtout pour, plus pour ces scènes euh, intimistes que, que pour voilà. ces scènes d'action. Oui. Et, et c'est plutôt s'arrêter sur ce genre de détails-là, et on est bien oui, d'accord. Euh, des, des points de détail qui ne sont pas forcément hyper évidents et qui nous permettraient euh, d'avoir un, un avis différent sur le film. Oui. Et surtout, et aussi de faire le lien euh, pour ceux qui auraient pas forcément vu les clins d'œil aux, aux différents films de la saga, et notamment à Permis parce que très oui. clairement été dit ce soir et c'était tout l'enjeu de, de ce live là euh, donc merci déjà d'avoir participé euh, à tout ça parce que c'était vraiment hyper intéressant et le fait qu'on ait chacun des avis différents en fait ça permet effectivement d'avoir euh, voilà sure. tout ça c'est pas défini évidemment avant le début des émissions euh, c'est euh, voilà c'est pas préparé en, en amont donc euh, donc voilà et c'est ça qui fait la chose hyper intéressante voilà euh, bah, écoutez est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot ou est-ce qu'on conclut euh, sur bah, ces... on va conclure 2h 43 d'émissions Ouais, quand même, hein. quand... on a un peu dépassé. ouais. ouais hein. euh, euh, les timings, voilà. La prochaine fois, on prendra un timekeeper. En tout cas, <laughs> merci à tout le monde d'avoir euh, participé. Pour ouais. ceux ouais. qui sont sur le chat, merci euh, de continuer à nous suivre. Merci euh, à tous. Voilà, je tiens je dire on juste une pardon. chose euh, oui. le film a les qualités de ses défauts. Et, et je me demande est-ce que le on, enfin euh, Barbara et Michael, est-ce qu'ils suivent ce que nous on propose Alors, en règle générale, que... je pense qu'ils ne suivent pas, euh, en dehors de l'activité des clubs, ils ne suivent pas l'activité de, de ce qu'on peut faire à droite, à gauche, euh, que ça soit des, des vidéastes, des youtubeurs, etc., etc. Non. non la réponse pas. est non. D'accord. Officiellement, on va dire que c'est ça. Voilà. Je pense pas. Après, peut-être qu'ils ont des garde-fous, entre guillemets, euh, qui, qui sont là pour. Il euh, bah, y a peut-être une idée à prendre, euh, ceux, ceux qui prolifèrent des, 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 des fausses rumeurs, etc., je pense qu'ils sont obligés d'avoir des personnes qui, oui. euh, ouais. qui sont... Bah, de toute les... façon, ils ont déjà leurs leur responsables de réseaux, de réseaux sociaux. Hein. Exactement. Euh, voilà. Après, ils, ils ont... Voilà, que ils la de plus ou moins que de la, la, sortie, la Asse... sortie de certains bouquins soit... Euh, quand même euh, bloqué par, euh, oui. euh, par Eon, c'est que quand même, ils... dans ouais. Jack en tout cas, c'est qu'ils ils ont un œil sur tout. Quoi. Oui, oui bien, sûr. bien sûr, ils ont un œil sur tout, et puis même sur les clubs. Il hein, ne faut, faut pas se voiler la face. Ah oui, sur les clubs, euh, mais on, on l'a vu également sur, sur euh, ben, l'événement qui a eu à Prague, etc. On va vous proposer aussi des chroniques prochainement sur euh, ben, notamment euh, euh, des locations sur, sur Prague, etc. Euh, mais euh, et aussi sur ben, finalement le... Par rapport à l'émission, euh, n'importe quoi, pas l'émission, mais l'exposition le, le, qui a eu à Prague, etc., sur Bonding Motion, la continuité euh, qui aura lieu à, à Vienne, etc., il y a quand même pas mal de personnes qui ont l'occasion de, de voir un petit peu ce qui se passe. On a Eon a qui, qui se déplace pour ces, ces événements-là. Euh, voilà, c'est intéressant aussi d'aborder aussi quelque part, et, euh, ben, finalement, le ressenti qu'on a. Euh, pour les pour les personnes qui ont, qui ont la chance de participer à, à ce genre d'événement euh, mais ça reste quand même euh, voilà quelque chose qui à mon sens euh, je pense qu'aujourd'hui il y a une, une volonté euh, justement de montrer une forme d'inaccessibilité qui est un peu dérangeante aujourd'hui parce qu'on est tous fans euh, voilà de, de la saga depuis 60 ans et sans nous il serait rien non plus donc quelque part c'est ça un petit peu qui est dérangeant. Mmh. Euh, et, et justement, euh, après, je pense qu'il faut continuer, au contraire, à, à porter notre parole et puis euh, et puis à exister quelque part euh, pour pour nous permettre effectivement peut-être un jour, pourquoi pas, qu'ils qu soient un petit peu plus à l'écoute parce que moi, ouais, euh... mais en fait, d'un autre côté, ouais, et mais... je finirai là-dessus, euh, ça sera mon dernier mot pour cette pour cette émission. Il faut quand ouais. même se considérer quand même comme des privilégiés parce qu'aujourd'hui, ouais. on a quand même l'accès à des sources d'information. Qui était totalement mmh. impensable, ne serait-ce qu'il y a 20 ans en arrière. Il faut ouais. quand même se rappeler qu'à l'époque de Cubi Brocoli, euh, les plateaux de tournage étaient complètement verrouillés. Euh, mmh. Il n'y avait pas une caméra qui rentrait, il n'y avait pas un photographe qui rentrait. Aujourd'hui, on a accès au making-of on a accès aux archives d'éon à des expositions régulières à, la littérature, à de la littérature qui est quand même extrêmement. Euh, Complète et précise, je veux dire, on a cette chance-là, ce qui n'était pas le cas forcément, voilà. comme je le disais, il y a 20 ou 25 ans d'arrière. Il fallait attendre 10 ou 15 ans pour avoir une photo de, de des coulisses dans voilà. des dans magazines de spécialisés comme il euh, bah, y avait euh, Mad, Impact ou. Euh, voilà, par des exemple. Pour les effets spéciaux. Quoi. Ça. Alors, merci, effectivement, c'est vrai que qu'on qu a accès à une source Il y avait deux temps. photos. Ça. Et euh... zéro bloopers! Exactement. Je ne mais, comprends mais, pas. Néanmoins, juste je vous rappelle quand même que ben, finalement, si on a tout ça, c'est parce que ben, les personnes sont, se sont déplacées, ils sont allés au cinéma, ils ont acheté les bouquins, ils ont acheté euh, les DVD, ils ont acheté, etc. Et donc ça a permis aussi justement de pouvoir développer ça. Euh, donc, quelque part, euh, finalement, la question se posera toujours parce que, euh, bah, effectivement, on, à l'aube du téléchargement euh, en masse, etc., euh, je veux dire, le téléchargement euh, illégal, etc., euh, on, on a, euh, nous, en tant que fans de James Bond, toujours continué à faire, euh, je pense, exister la franchise aussi. Bien euh, sûr. Par, par ben, finalement, euh, nos, nos, notre investissement personnel et financier euh, qui fait que, ben, globalement, on a permis, finalement, cette saga de, de durer pendant 60 ans. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Bien sûr. Voilà. Je dire. Voilà. <laughs> Est-ce que vous voulez qu'on conclue là-dessus bah, je, je trouve que c'est très bien conclu de, de ce côté-là. Voilà, c'est très bien. <laughs> euh, je tiens à tout. Et bien. on n'aura jamais fait le tour de Joe wow. Non, mais voilà il fallait impérativement le <laughs> placer. On <laughs> est, est plus très plus très plus très bien, bien d'accord. Euh, merci encore à tout le monde qui nous ont suivis ce soir. Euh, merci pour vos commentaires. On est navré si on n'a pas pu répondre à tout le monde, mais on est là ce soir parce que ce n'était pas le cas la semaine dernière. On a eu des gros soucis, on s'en excuse encore. Euh, je tiens euh, ben, voilà, à vous dire que vous êtes euh, dans la possibilité de nous suivre sur les réseaux sociaux, euh, comme d'habitude 007TV euh, sur Instagram, euh, YouTube, euh, X et j'en passe. Euh, notre forum Facebook qui est toujours euh, à, votre, à votre écoute. Euh, tout le monde a la parole, encore une fois, je tiens à le préciser. Euh, et puis euh, voilà, nous vous merci à tout le monde, à tous nos participants et participantes de ce soir. Euh, et puis bah, à ceux qui ne sont pas avec, les, avec nous ce soir, mais qui sont, euh, qui sont dans nos cœurs. Voilà. Euh, nous voulions euh, penser à tous ceux qui sont loin de chez eux. Oui. <laughs> Exactement. Et qui ont dans leurs yeux. <rire> <rire> on, on va peut-être arrêter là tout de suite. Merci tout le monde. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt sur W07 TV. Bye bye. Allez, une bonne soirée. Bye bye. <laughs>